Salut Tidus, oui, t'es première à se connecter. Mais en fait, l'annonce vient seulement de partir sur Discord, donc je comprends. Tu vas bien? Est-ce que la musique... Ouais. Hop, c'est mieux. J'ai une tête un peu fatiguée, mais... mais ça va. Je suis une vraie... Je me suis réveillée à 7h30. Ouais, 7h30 pour aller faire mon vaccin. Et je me suis couchée à la fin de la lève de Loli, donc vers 2h30. Salut Cindy! J'ai pensé à toi justement, j'ai vu qu'il y avait une image Phasmo qui fixait des bugs. Je te promets, j'ai pensé à toi juste avant de lancer le stream. Vous allez bien? Attendez, je remets le stream par là. Oui, mais il y avait des bugs aussi, mais je comprends pas l'anglais. En vrai, j'ai fait un copier-coller du patch sur Google Traduction. Donc j'ai compris qu'il y avait une correction de d'un lancement ou quelque chose comme ça. J'ai pas trop compris. C'était une correction qui ainsi. Oh non, ma caméra, je crois, elle bug, non? Où j'ai rêvé? Un peu fatiguée, mais ça va. Ah oui, attendez, ma caméra bug, je vais débrancher, rebrancher. Ça faisait longtemps qu'elle avait pas fait le coup. C'est laquelle la caméra? Je sais pas si c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va pas être agréable pour vous? Hop. J'ai cru que j'avais shooté dans le chat. Après, j'avais une nuit blanche à mon actif. Ouais, faut plus comme ça. Hop, attendez, ça revient. Ah oui, désolé, c'est hyper blanc. Ça faisait longtemps qu'elle avait pas bugué. Voilà, c'est bon. Hop, hop, parfait. Et voilà. Là, je me suis dit, je vais profiter que là, pour l'instant, je me sens bien. Si jamais il doit y avoir des effets secondaires au vaccin, eh ben, je lance mon stream tôt. Comme ça, si je sens là un gros coup de fatigue d'un coup, bah, écoutez, je vous laisse, hein. Attendez, on va voir pour Subnautica. Oui, j'ai eu la deuxième dose ce matin. J'étais tellement en panique. Ah, c'était affreux. Pourtant, ça s'est bien passé, hein. Là, j'ai même pas. J'ai un petit peu mal au bras, mais en vrai, ça va. Mais comme ma meilleure amie était en PLS total quand elle l'a fait, je me suis fait des films toute seule. Je vais peut-être pas quitter ça. Aucune dose? Moi j'ai fait la première en juin je crois. J'ai fait la première en juin et là la deuxième ce matin. Bah, j'ai pas le choix parce que franchement si jamais ils remettent les frontières un peu plus strictes et que je dois faire un test PCR. Non c'est bon, un test PCR pour passer. Non non non, c'est trop indécis, je préfère le faire et puis tant pis. Pourquoi est-ce que j'ai pas. Ah ouais mais Subnautica ça fait un mois que je l'ai plus lancé, c'est pour ça. Attendez. Hop. Je vous mets là, voilà. Je vais attendre 3 semaines pour la première. 3 semaines? Comment ça se fait? Oh, ils ont rajouté une. Enfin, vous avez pas vu, mais ils ont rajouté une. Un message d'attention à l'entrée de Subnautica pour dire ceux qui avaient des crises d'épilepsie, etc. Attendez, je vais couper la musique. Et vous mettre le jeu.
Ma caméra, par contre, elle se met de l'autre côté. Ah non, 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 on est sur la vie. Désolé, j'ai un peu voyagé. Subnautica, et ok. Oh non. Oh, attendez. Attendez, attendez. Il y a une ponceuse dans le coin, je vais fermer la fenêtre. Vous l'entendez pas, heureusement, moi aussi. Alors, j'ai fait mes rappels hier, je risque de dormir pendant ton live, ne m'en veux pas trop. Mais non, je t'en veux pas. Mais Cindy, mais évidemment non. Je suis déjà toujours contente quand vous venez, même si vous passez, que vous devez repartir, parce que moi, mon plus gros truc, c'est, enfin, si je démarre le live toute seule, non, non. Même si vous passez, ça fait énorme, ça fait super plaisir. Coucou Zeros. Non, je vais pas t'en vouloir. Mais je savais pas que les vaccins, ça fatiguait en général. Les rappels, je veux dire. J'avoue, je suis à jour de rien du tout. Mais j'avais tellement peur, j'ai vraiment peur des piqûres et tout ce qui est domaine hospitalier. Donc j'ai vraiment, vraiment pas fait mes rappels. Là, c'est une amie qui m'a appelé ce matin pour m'accompagner au téléphone, quoi. Parce qu'en Belgique, on peut pas être accompagné. Physiquement, je veux dire. À moins d'avoir des problèmes de déplacement. Mais sinon, pour ceux qui ont peur, bah, c'est démerde-toi. C'est pas cool. Attendez, j'essaie de mettre mes trucs correctement. Voilà, c'est bon. Je sais pas si vous entendez bien le jeu. De toute façon, je vais relancer parce que il va y avoir facilement 10 minutes où je vais devoir reprendre mes marques. Ah mais c'est pas du tout une ponceuse, je suis vraiment une ponceuse ou une perceuse, non, c'est juste le voisin qui passe la tondeuse dans le jardin. Ok. Si jamais la caméra elle rebug, ah attendez, est-ce que j'ai mis les sons? Bon, je verrai après, je pense que oui j'ai mis les sons. Si jamais il y a des bugs de nouveau sur la caméra, vous faites un petit bruit. Comme vous avez les... Il y a des bruits trop bizarres chez moi. Jamais vu? Oh, ce jeu, il est trop bien. Bon, le 2 pour l'instant... Oh, oh. J'avais oublié qu'on était aussi rapide. Le 2 pour l'instant, c'est pas mon préféré parce qu'on est un peu perdu. Mais franchement, il est trop bien. En gros... T'es perdu sur une planète. Ah, le 2, c'est chaud à résumer parce que je comprends pas l'histoire. Comment ça va? Ça va très bien, toi. Attends, comment te résumer? En chassant. Eh, mais viens. En gros, t'es perdu sur une planète. Et dans le premier, parce que ça, c'est le deuxième... Tu avais un vaccin à trouver et pour pouvoir sortir, tu devais vraiment vacciner toute la planète. Ici, du coup, on est retourné sur la planète 2 ans après, ce qu'on trouve vraiment bizarre. Et on enquête, mais l'histoire est vraiment pas claire encore. Je me suis trompée. Et j'ai pas grand chose, hein. Pour l'instant j'ai vraiment juste mon petit sous-marin, mon début d'habitat, et quelques bases, mais je le vends pas très bien le jeu en fait. Je le vends vraiment pas bien, je le réalise. En vrai le premier je l'ai adoré, le 2 là je suis perdue. Parce que le premier on est guidé tout le temps, on sait où on doit aller, il y a des indices, et le 2... Je sais pas.
Ouais, non, là, j'ai pas. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Mais ça se voit que je suis pas encore trop. Je mets une semaine pour me remettre d'un vaccin, mais ça doit dépendre des gens. Bah, c'est peut-être ton système immunitaire qui fait ça, hein. Ah ouais, si t'as eu tous tes rappels, ils t'ont dit 3 semaines. Ah non, il faut pas que tu prennes le risque de faire le vaccin de Covid maintenant. Si t'es pas très très forte, enfin pas en forme, je veux dire. Ah bah c'est bon, j'ai tout. Bon, je vais essayer de résumer. Dans le premier, en gros, on était perdu sur la même planète que celle-ci. Au final, on a réalisé qu'il y avait un énorme virus qui s'était répandu dans tout l'océan et qui faisait que quand on se rapprochait de la planète, bah, un fusil alien nous tirait dessus. C'est ce qui s'est passé. Du coup, là, on a dû soigner pour ressortir. On a soigné la planète en même temps. Et dans le 2, c'est celui où on est maintenant. Je sais pas. Dans le 2, de ce qu'on a compris jusqu'à présent, ça se passe 2 ans plus tard. Et il y a eu des trucs bizarres qui se sont passés. Et là, on enquête, on a eu quelques éléments d'histoire. Mais franchement, le deuxième Subnautica, j'ai rien compris aussi. Bah, c'est ça. Franchement, le deuxième, le souci, c'est, je sais pas où aller. Je sais vraiment pas où aller. Mais j'aime bien l'univers parce que, bah, ils font des rappels avec le premier, avec tous les éléments qu'on a là. Ça, c'était déjà dans le premier. Et en même temps, ils nous disent, ah oui, il faut de l'argent, il faut ça, il faut tel matériau, tel matériau. Et on se dit, ah oui, on connaît, mais c'est pas du tout au même endroit. Et je trouve ça sympa. Mais le côté histoire. En plus, j'allais parler toi, Hypnotis, en disant que toi, tu connaissais maintenant. Il est pas fini. Bah, si, il est fini. Enfin, je crois. Dis plutôt que t'as pas envie d'y aller. Mais je sais pas où aller, c'est ça le problème. Perso, j'ai pas à me plaindre, question maladie, je suis malade qu'une fois par an. Pareil, Titus. J'ai rien senti pour les deux. Bah oui, mais il y en a tellement peu qui disent qu'ils n'ont rien senti, il y en a tellement qui disent qu'ils ont senti pour le vaccin. Ma meilleure amie aussi, elle était en PLS hier, avant-hier et aujourd'hui, un petit peu. Que moi, j'étais. Oh, je veux pas le faire. J'ai vraiment appelé une amie ce matin parce que j'étais en panique, hein, devant le truc, devant le centre de vaccination. Ah non, j'y vais pas. Puis, allez, vas-y! Ok. Bon, du coup. On avait débloqué des trucs. Aérogel. Bah, il faut explorer, quoi. Processeur par à quoi? J'ai scanné ça où? Mais le 2 aussi, Below Zero, il est fini, il est pas en développement. Mais non, 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 il est fini, fini. Je l'ai acheté qu'à ce moment-là. Ah oui, il y avait ça, je me rappelle maintenant. La dernière fois, j'avais trouvé une épave avec ces éléments-là. Et avec des éléments du Progne aussi. Bah c'est ça du coup Hypnotis. La dernière fois on avait trouvé l'épave, on était allé. Non, la dernière fois on avait fait beaucoup de choses. On avait trouvé l'épave, on était allé sur l'espèce d'île à côté de nous. Et j'avais pas pris de balise avec moi. Ah, du coup, j'avais pas pu noter l'épave en question. Et là, j'aimerais bien aller un peu plus profond, mais. Ah, maintenant je me rappelle. Aquatracteur, il faut quoi? Rubis. Bah non, mais il faut le 1 déjà. Lingot de plastacier, acier, verre émaillé. Je sais même pas. Attendez, le verre émaillé, comment on fait? Du diamant. C'est des descriptions si vagues. Ah, parce que le jeu est vague, en fait. Ah non, j'ai des balises sur moi. Bon, vous savez quoi? On va mettre ça et on va aller explorer, hein.
J'avais un truc comme ça. Je vais garder les balises. Ça, je vire. Ça, je vire. Ça, je vire. Ah, peut-être un peu trop de trucs, non? Non, c'est bon. Je vais remplacer ma lampe. Mais si, si, maintenant, je me rappelle la dernière fois que j'ai joué. J'ai juste visité l'épave. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je suis l'anel à peu près. Tu veux juste assumer le fait que tu sais... Bah je sais... Si, je... oui, j'assume le fait que je ne sache pas où je vais parce que je comprends pas. Je comprends pas où il faut aller, c'est ça le problème. Mais j'ai une map en vrai. Hein. On est allé par là-bas. On est allé par là-bas. Ah non, pas par là-bas. On va explorer, hein, mais je suis limitée à 150 mètres, quoi, c'est pas énorme. Je vais peut-être le réparer d'abord. Attendez. Et je vais prendre de l'eau avec moi. Mais est-ce que j'ai pas de reçu de l'eau, en vrai? Plutôt que de sacrifier des pochons. Je vais prendre avec moi ce truc-là. Et je vais prendre de l'eau. Attends. Range ce truc-là. Bon bah, je vais devoir me faire des bouteilles, hein. Mais après, je suis pas la seule à dire que l'histoire, elle est hyper... qu'on n'est pas autant guidé que dans le premier. Quelque chose me dit qu'il faut aller dans l'eau. Non, tu crois? On va tuer un petit peu des pochons, hein, je suis désolée. Mais après, ils ont eu un mois pour s'entraîner, c'est bon, quoi. C'est quoi, ça? Ah, ok. Ah, mais si, je sais ce que j'ai fait aussi. J'ai amélioré mon oxygène. En vrai, la dernière session de Subnautica, on avait fait énormément de choses. Oh, mais non, c'est pas ici. C'était pas ici, c'est là-bas. Mais j'aime bien le jeu. Le seul truc, un peu moins guidé parce que les gens ne savent pas utiliser leur PDA. Bah, il y a une map, mais la map, elle est quand même... Enfin, tu sais pas précisément où tu es, quoi. Moi, j'aimais bien le système des balises et de messages qu'on te donne pour que tu saches où aller, etc. J'aimais beaucoup, moi, ça. Les jeux où on te dit juste « Merde-toi !» Mais comment ça, on sait? Attends, la map, elle est où? La map, elle est ici. Carte. C'est ça qu'on est... On était allé visiter ça, nous, alors? C'était le triangle? Mais il y a rien sur... Ah, si. Attends. Je sais pas si c'est ça ou ça qu'on a visité la dernière fois. Journaux et communications. Non, c'était là-dedans. Ah, peut-être dans les événements. Ils disent pas le... ils ne le disent pas, hein. Pourquoi j'ai encore des trucs... Ah. Salle de contrôle. Oh, c'est nouveau, ça. Mais donc, j'ai bien raison. Regardez, on a fini par ça. Chargeur de batterie. Oui, on a bien fini par ça. J'ai raison. On a fini par l'espèce de grand... Après, ta technique de « je trouve au pif » peut marcher. Oui, ça peut fonctionner aussi.
Mais nous, je crois qu'on est ici en vrai, hein. On a fait ce truc-là. Ah non, il y en a deux. Oh, mais je sais pas lequel c'était, moi. Attendez. Mais par là. Ah mais c'est quête de station Delta. Mais je suis bête ou quoi? Ah merde. Attendez. T'as visité le labo 0. Delta, c'est quel symbole? Delta. Ah, c'est le triangle! Ah ouais! Ah non, moi j'imaginais pas que c'était le triangle en fait. Delta, c'est orange. Ouais, c'est ce truc-là en fait, Delta. Et donc moi j'ai visité ça. Et je suis allée derrière Delta, j'ai contourné et je suis tombée sur une épave par là ou par là. Ah bah j'ai pas fait de grec hein moi. J'ai fait que du latin. Donc, il y a encore par là. Et il y a par là. Je connais pas. Delta, moi j'étais persuadée qu'on était allé jusque là-bas. Donc soit on fonce tout droit, mais... Ah oui, mais tout droit je peux pas, c'est trop long, c'est trop profond. Mais ce que je peux faire, c'est aller ici. C'est derrière le truc zéro et on saura vers ces trucs-là. Donc c'est vers l'ouest. Ah mais c'est chaud. J'ai pas fait grec, mais je connais quand même. Delta, ça se retrouve tout le temps en maths. En maths. En maths. J'ai jamais vu ce truc-là. Enfin, en maths, non, moi j'ai jamais, jamais, jamais. Attendez, bon, on va se remettre à fond et on va aller explorer. Hein, parce que de toute façon, il me faut des minerais. Je dois explorer de nouveaux biomes. J'ai pas le choix. Alpha Oméga. Alpha Oméga, oui, ça je connais. Oh, j'espérais tellement qu'il n'y aurait pas ce son. Voilà, comme ça vous entendez bien le jeu. Hop, hop, hop. Oh, j'ai pour un. Bah, tu vas manger la dernière. Hein. Je suis désolée, mais ça me fait vraiment penser à des fesses de cheval, ce truc-là. Pas un fer à cheval. On apprend que tu suivais bien tes cours de maths. Oh non, je galérais tellement en maths. C'était un cauchemar. Bon bah écoutez, on va essayer d'aller explorer. Je vais sauvegarder, comme ça si jamais je perds mon aquatracteur, Hein. Vous savez comment ça fonctionne, je vais juste boire avant. Et le sport, pendant les courses d'orientation. On faisait jamais de courses d'orientation, nous. Non, on faisait que des courses dans le pâté de maison. T'aurais dû au moins retenir les lettres. En quoi? Mais j'ai jamais vu ces lettres-là, hein. Je connais culture générale, mais c'est tout, quoi. Vous savez quoi? On va aller explorer. Je sais plus comment on allume. Ah, comme ça. Mais là, je vais vers le nord-est.
Bah, on est d'accord que tous ces trucs-là, là... Enfin, ça ressemble quand même à ce qui est sur la carte. Ah non, mais ça c'est... Là, je vais vers le truc zéro. Attendez. Là, je vais vers ce truc-là. Faut vraiment que j'aille plein ouest. Par là? Mais what? Comment ça, c'est par là? C'est pas logique. Quoi? Attendez, 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 attendez. Il me reste que 60. Oh, écoutez, tant pis, on verra bien. Oups, désolé, poisson. On va explorer, si jamais il se passe un truc, c'est pas grave. J'adore cette phrase dans la bouche de Lena. Oh, c'est quoi ce poisson-là? Sinon, Genshin, la bâche s'est bien passée. Ouais, j'ai eu un bug, moi par contre, j'arrive pas à passer le niveau d'aventure. Je voulais y jouer un petit peu avant. Non, mais ça va, oui. Avant le live, mais au final. Mais laissez mon vaisseau tranquille, en fait. Mais là, je vais au sud-ouest. Ah mais je peux pas aller à l'ouest. Oh c'est quoi? Ah c'est un truc que j'ai déjà exploré. On visite hein, on va explorer. Moi je bloque au combat histoire. Non mais je suis dans mon vaisseau, fous-moi la paix en fait. Ça ce sont des œufs. Je tourne en rond, non? Qu'est-ce que c'est que ce biome? Si tu fais le tour de l'île, oui, tu... Mais je tourne pas. Je tourne, fais pas le tour de petit. Oups. Oh, attendez! Oh! Mais attendez! Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire! C'est pas ce que je voulais faire, moi je voulais aller vers l'autre, vers le truc bizarre. Bon bah écoutez, on est à 400 mètres, je vais aller jusque-là. Hein. Mais j'ai pas fait le tour de l'île. J'ai essayé d'aller vers l'ouest comme je pouvais. Oh, mais laissez-moi tranquille les poissons là. Oh, par contre, là, j'aime pas.
Ah, je suis pas rassurée. Ah, j'ai peur, je suis pas rassurée, j'aime pas les grandes étendues comme ça. Bon, au pire. Et j'ai eu ma dose d'adrénaline et de peur aujourd'hui. Hein. Au pire, vous savez quoi, hein? On fonce, ok? Je meurs, je recharge, c'est tout. Allez, vas-y, go. Je meurs, je recharge. C'est quoi ce truc-là? Pire, je meurs, t'es jamais... Bah oui, je sais, c'est pour ça que je le dis, si tu crois. Wow, mais c'est profond! Bah vas-y, on y va. Au pire, je rencontre une grosse bestiole, non? C'est tout. C'est quoi ça? Mais c'est loin, je peux pas y aller, si? Je comprends pas où je dois aller. C'est en dessous de moi. Oui, je sais que je suis allée à plus de 100 mètres, de 150 mètres, mais voilà, mon vaisseau, il peut aller qu'à 100. Je vois pas comment je vais en dessous, en fait. J'ai envie de voir ce que c'est ça. Attendez, je veux juste sortir. Au pire, je me fais croquer, c'est pas grave. Ah, du plomb, mais je m'en fous du plomb en fait. Mais c'est en dessous de moi. Mais c'est pas ici. Nouveau biome? Je sais pas. Ce biome-là, je le connais. Enfin, je crois. Oh putain. Attendez. Voilà, pardon. Pardon. Parce que quand j'ai plein de notifications comme ça, autant les virer, histoire de... Je me mets là. Mais c'est en dessous de moi, comment je vais jusque-là? Il n'y a pas d'entrée par là? Bah non. Peut-être que je dois faire un tour? On va essayer d'aller par là-bas, hein. Mais non, c'est pas par ici. Mais c'est pas... Mais si, c'est même pas le même biome que l'autre. Est-ce que je le dis ou pas? Est-ce que je dis que je suis perdue ou pas? Oh, il y a un truc là. Mais en plus, mais j'ai déjà visité ce coin-là.
On le savait déjà. Mais j'allais vers l'ouest. Bon. Écoutez. En fait, il faut juste que je suive une seule direction. Le souci, c'est qu'avec les... J'aime pas ce biome-ci. J'aime vraiment pas ce biome-là. Non, je l'aime pas celui-là. Allez-y, on retourne en arrière. Désolé le poisson. Salut. Là, je suis plein ouest, mais je sais pas où je vais. Attendez un peu. Est-ce que je me serais pas paumée là-dedans? Non, j'ai pas fait toute cette distance, si. C'est possible en vrai. En vrai? La nef, vu la vitesse à laquelle tu te déplaces, c'est impossible. Ok. En même temps, je maîtrise pas du tout le vaisseau. Hein. Mais t'as vu comme c'est pro, comme c'est grand? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Coucou Amélis, tu vas bien? Tu trouverais ça grand? Oui, c'est possible. Ça me rappelle horriblement le crabe, par contre, en vrai. Ça me rappelle vraiment beaucoup le crabe. Ça me rappelle beaucoup le crabe. Ça va et toi? Ça va. Je me perds, mais ça va. Je pense que j'ai fait le tour de la map, enfin le tour du même point. J'ai tourné en rond pendant depuis les 5 dernières minutes, mais ça va. Bon, vas-y, on va voir s'ils sont méchants, hein. Au moins on sera fixés. On dirait des méduses, c'est trop bizarre. Oh, mais c'est beau! Rien à voir, elles sont 10 fois plus belles. De quoi? Les crabes? Oui, forcément, oui, c'est plus beau, mais. Oh, ça a pas l'air gentil quand même, hein. Oh, mais c'est trop beau! Je sais pas si c'est méchant, mais c'est beau. Il y en a combien? Mais regardez, ça va jusque là-bas. Je sais pas si c'est méchant. Bon bah on fait le test. Au pire, je recharge, hein. Va aller voir. Ouais, mais attends, ce que je vais faire, je vais lâcher une balise ici. Ah non! Vraie question.
Si je lâche une balise ici, alors qu'il y a les singes de mer là, est-ce qu'ils vont me piquer ma balise? Ce serait méchant. En théorie, si c'est beau, c'est méchant. Non, pas toujours. Ce serait méchant quand même, non? Fais le test. Tu l'as pas testé? Ok, je vais faire le test. Il se rapproche quand même. Hein. Non, non, non. Allez, go. On va le faire. Ma balise, elle est où? Ma balise, on va la mettre en 3, en 4. J'ai pas envie de sauvegarder. Code normal, matériel d'urgence. Non, comment j'appelle ça? Je sais pas si c'est un biome ou pas, mais écoutez. Je vais sauvegarder. Non, parce que je me suis jamais posé ce genre de questions. Ouais, bah, crottin. J'ai sauvegardé, vas-y, go, on y va. On va se rapprocher, on va bien voir hein, s'ils sont méchants ou pas. Bonjour, est-ce que tu es méchant? Est-ce que vous êtes méchant? T'as combien de ta base? Attends, attends. Attends, attends. Oups! J'ai peut-être cassé un phare. Attends. Alors, position de la dernière pilote, c'est 1182 mètres. Quai Delta, je suis à 610 mètres. Et la capsule de survie, je suis à 687 mètres. Et du coup, je suis au sud. Attends. Bah, au sud-ouest, à 687 mètres de la capsule de survie. Je peux pas te donner plus d'indications. Je peux vraiment pas te donner plus d'indications. Ah, ça fait mal quand même. En plus, l'infirmier, il a pas mis le pansement sur la blessure, sur la piqûre, il l'a mis à côté. J'ai un pansement qui sert à rien. J'ai essayé de le retirer, mais comment dire, non. Est-ce que t'es méchante? En tout cas, t'es jolie. T'es méchante ou pas? Elle a pas l'air méchante, hein. C'est beau. Je pense que ça, à mon avis, vous vous souvenez des créatures, les trucs électriques là? Je pense que c'est pareil. Si on les touche, bah, elles s'approchent quand même, hein. Ou c'est moi qui me rapproche, c'est possible aussi. Si on les touche, ça abîme. C'est quoi le clip? Qu'est-ce que t'as fait comme clip? On n'a pas entendu, ça va, je crois pas. Bon bah, allez go, on y va, de toute façon, il faut bien que je visite un biome, quoi, je vais pas commencer.
Je sais pas si je peux. Enfin. Ça a l'air très profond quand même. Hein. Ça a l'air très profond. Dans l'autre, dans le premier Subnautica, je suis allée à 1800 mètres de profondeur. Et là, je dis, ça a l'air très profond. Je viens de découvrir qu'on pouvait clip sur mobile. Bah oui, évidemment. Attendez. Ah, ma souris, elle me dérange. Attendez, je bouge ma souris là. Ok, c'est bon. Ça doit être galère à faire que sur PC. J'ai envie de me rapprocher de ce truc là, mais... Vous êtes pas à l'abri d'un cri, hein. Je vous préviens. Ah, mais non! C'est pour le prone, ça. Ça, c'est pour le prone, que je n'ai pas. Putain, mais c'est profond à mort. Je vois rien. Enfin, si, mais... C'est un beau biome, hein. Mais est-ce qu'il sert à quelque chose à cette distance-ci? Tu les scannes pas? Tu crois que je peux? J'ai peur de sortir. On va essayer. Non, je vais pas sauvegarder, ça sert à rien. En vrai, ça sert à rien. Vas-y, on va essayer. On va essayer. J'ai dit, on va essayer. Oui, je peux, mais j'ai peur de sortir en fait. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Méduse orbitale. Méduse orbitale. Attendez, on va se mettre un peu en hauteur. Et je vais lire tout ça. Elles servent à quoi les méduses orbitales? Ah, herbivore, ok. Dans les eaux profondes, composées de trois sections, forment des excroissances luminescentes qui attirent ses proies. Ah ben voilà, c'est bien ce que je pensais en fait. C'est comme les... Comment on les appelle? C'était comme les espèces de... C'est comme les poissons avec des petits pics sur les bouts dans la profondeur. À côté du Léviathan. Mais, c'était comme eux, techniquement, ils sont pas agressifs, mais si on s'approche d'eux, bah forcément, ça électrique. Et électrifie. Si, c'est une belle explication. Je pense que c'est... Enfin, je pense que c'est comme ça. Par contre, ça ne m'avance pas. Si je remonte là, je suis où? Oh, attendez.
Ah non, y a rien. Zut. J'ai cru qu'il y avait un endroit pour monter, mais pas du tout. Ah si, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Mais non, je les ai jamais vus, eux. Non, non, faut pas que je reste en hauteur. Bah si, je peux. Ah, ils sont méchants. Oh non, ils sont carnivores. Je crois qu'ils sont carnivores, en fait. Vas-y, vous savez quoi? On va sauvegarder. Je vais juste... Ouais, je vais sauvegarder ici. Parce que j'ai peur de rester bloqué, sur pas pouvoir remonter dans mon vaisseau. Ah, ils sont totalement... peut-être pas. Pina. Mais il essaie de me croquer, non? Attendez. Comment ça, c'est de la triche? Ton chat est aussi carnivore au cas où. Ouf. Ah bah oui, ils sont totalement carnivores. Ah oui, mais si c'est carnivore comme les manchots... Ah oh, ouais, non, ils sont carnivores, mais ils sont pas violents pour moi. C'est comme les manchounets. Une créature intelligente et curieuse qui chasse et se nourrit sous la ligne de flottaison, mais revient à la surface pour respirer. Ses nombreuses palmes en font un chasseur acrobatique sous l'eau, mais le rendent vulnérable sur terre, où il est mieux capable de se traîner. Consomme généralement des petits poissons, mais son alimentation peut également comprendre diverses matières végétales. Ok, c'est bon, il est inoffensif pour moi. Yeux orientés vers le côté, ce qui est inhabituel pour un prédateur, ceux-ci servent probablement d'alerte, de système d'alerte défensif. Des antennes de couleur violette sur la tête détectent le mouvement des poissons fourrages à proximité, ne montre aucune agression envers les humains et fait même preuve de curiosité s'il a l'opportunité de se mettre quelque... Ah, ok, j'ai compris. Bon bah vas-y, on y va. Hein. Par contre, est-ce qu'il va y avoir encore un truc de météo-naze ou pas? Non, c'est bon. Salut! Ah mais non, mais vous êtes sérieux? Mais vous m'emmerdez! Est-ce que je te bloque par hasard? Toi, t'avais raison, hypnotise en vrai, la météo. Oh, mais non, s'il te plaît. Mais oui, mais. Du poisson au lieu de te moquer de lui. Mais je peux pas sortir. J'ai pas de poisson sur moi. Ah. Ok, c'est bon, go. On y va. Je sais pas où je suis, hein. J'en ai pas la moindre idée. Il faut que je trouve un abri vite. Sinon, il faudra que je retombe dans l'eau. Je dis, il faut que je trouve un abri. Mais qu'est-ce que je fais? Ah, là, il y a un truc parfait. Mais il n'y a rien. Mais il n'y a rien ici.
Qu'est-ce que t'as clip? Qu'est-ce que t'as clip? Prédiction? Ah. Arrête de dire qu'il n'y a rien à chaque fois que tu fais 10 mètres. Bah, je dis, je sais pas parce que je fais 10 mètres qu'il n'y a rien. Je dis qu'il n'y a rien parce que je ne vois rien. Vite. Ils sont nombreux quand même, hein. Par contre, c'est chaud. On peut pas faire des masses de trajet en fait. Oups. Là, c'est bon. On voit rien. En cours. Ah, mais sérieux. Je suis pas sur la bonne île, je crois. J'ai essayé d'aller à gauche, mais je crois que j'y suis déjà allée. Je crois qu'il y a plusieurs îles en fait. Enfin, plusieurs îles, pardon, vous m'avez compris, je crois. Oh, mais sérieux! Je suis protégée ou pas? Ah bah non, je suis pas protégée du tout ici. Je dois avoir froid. Écoutez, Oups. Ok, c'est bon, attendez, je vais essayer de le redescendre un petit peu parce que là... Voilà, c'est bien. Non, c'est pas bon encore. Du calme sur les boutons. Est-ce que j'essaie de... Mais je sais pas par où aller, hein. Je vais essayer d'aller par là-bas. Il y a un autre passage par là. Ah, ici, il y a un truc. Enfin, il y a un passage par là. C'est bon, je peux y aller. Mais je m'en fous de sa merde, j'ai pris la...
Je n'ai aucune idée d'où je suis. Hein. Salut. Ah, mais s'il te plaît! Ah ouh, je me suis fait mal? Non, je pense que je me suis pris un grelon. Non mais le jeu, t'es pas gentil là. Oh. Mais je me fais pousser par un poisson. Salut. Oh mais vas-y. Merde, comment je fais? Et je le vois même plus, en fait. Non mais ce jeu se moque de moi. Mais vraiment. Maintenant que j'ai réussi à rentrer dans mon truc, il me dit c'est bon, en fait, il fait beau. Mais non, mais je m'en fous de la neige en fait, les gars. Merde, c'est pas ce que je voulais prendre. Ah, c'est horrible, c'est super chaud. Du coup, j'ai pris de la neige. Oh, des fruits gorgés de caps permettent de faire monter la. J'ai pas vu. Me jugez pas. Bon, si vous pouvez juger en fait. Vous pouvez totalement juger. Je vais retourner là-bas et je vais aller voir ces fruits-là. Un peu comme l'or dans les coffres. Oui, bah Non, non, c'était ça. C'était 4, 4. C'est ce truc-là? Non, c'est pas ça. C'était quoi exactement? C'était par là-bas. C'est ça. Ah oui. Oh. Oh, j'aime bien ça.
suis en train de tourner en rond. Bah Marie... crotte. Oh ! Oh ! C'est quoi ? Mais non, mais me donnez pas des trucs comme ça sans me donner de contexte, les gars. Enfin, il faut quelque chose, en fait. Attendez, je vois rien. Je vais me remettre là. Ah, ça se lève, enfin. Bon, peut-être que du coup, c'était bien ici. Non, 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 je suis pas d'accord. Il neige pas. C'est mort. Non, 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 je suis pas d'accord, il va pas neiger, il va faire beau, enfin, beau, dans la mesure du possible. Mais y a rien. Mais y a vraiment rien à part ce truc-là. Meilleure argumentation, t'as vu? Non, mais y a un truc que je loupe. Ouh, ouf, ouf. Le truc que j'ai failli ne pas louper, c'était le trou. Non, mais c'est pas possible que cet endroit ne serve à rien à part faire pousser des fruits. Bon, attendez, vous savez quoi? Je vais mettre une balise. Mais c'est pas possible en fait. 4. T'as déjà eu du contexte? Mais je sais pas du tout où je dois aller. Je tourne en rond, hein, littéralement. Attendez, on va retourner, on va essayer de regarder un peu. Je vais essayer de voir où je suis déjà. Ce sera un début. Bah, je suis là. Mais non, je suis pas là. Je suis jamais. Ah, quoi que. Est-ce que je serais pas là? Soit je suis là. Soit je suis là. Des deltas, il est où? Delta est là. Delta est à l'est. Ah bah oui. Ah bah je suis totalement... Attendez. Delta est là. À l'est. Bah oui, mais je suis totalement ici en fait. Donc il faudrait que j'aille plein ouest. Que j'aille tout droit. Et là, j'arrive là-dessus. On est d'accord. Je lis pas n'importe comment, là, la map. Pour moi, je suis là. Mais oui, c'est ça. T'as lu quelque... T'as... Tu as quelque part sur la map. Tu es quelque... tu es quelque part sur la map. Mais non, mais pour moi, c'est ça. Delta, c'est la balise que j'ai mise. Delta, maintenant je sais, j'ai retenu que c'était le triangle. Et comme il est plein est. Et que je suis sur un truc avec plein de banquises, pour moi c'est ça.
Non, je sais, hypnotisme, mais je demande plus aux autres, pas à Amélie déjà. La logique, c'est ça, non? Delta est là. Et quand je regarde la map, il est à l'est par rapport à moi. Si je regarde à l'est, c'est par là. Donc, logiquement, si je traverse tout ce truc horrible de ça, j'arrive à ça. Je sais pas ce que c'est, mais j'arrive à ça. Pour moi, c'est ça. Donc, il faut que j'aille plein ouest. Est-ce que je sauvegarde? T'as pas d'autre endroit avec plein de banquises? Parce que c'est... Parce que je sais pas... Parce que c'est froid et que la météo, elle m'emmerde. Si, j'ai d'autres endroits avec une banquise, mais soit là, ce qui veut dire que ça devrait être au sud-ouest. Et là, c'est vraiment à l'est, plein est. Regarde. Delta, c'est cette balise-là. C'est vraiment plein est. Quand tu regardes en dessous, au-dessus là. Enfin, attends. Quand tu regardes ici, c'est marqué est. C'est pas des. Ah, si, ce sont des icebergs. Et bah, je les aime pas, ces icebergs, voilà. Donc, écoutez, il faut que j'aille plein ouest. On va essayer. Peut-être que je vais mourir, hein, mais on sait jamais. Oh, super. Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était des yeux. Mais comment je monte là au-dessus? Oh, je vous jure, non mais je vous jure, quand j'ai regardé au sol, la méduse, j'ai cru que c'était un œil qui s'ouvrait et se fermait. Je vous rappelle, on n'est pas à l'abri d'un cri. Toi aussi, t'as des yeux, j'espère que t'as pas peur de toi quand tu te regardes dans les glaces. Oui, mais non, mais là, c'était vraiment flippant. Elles sont ici aussi. Mais non, mais regardez, regardez, là comme ça, là d'au-dessus, on dirait des yeux, non? Regardez, regardez, regardez. Ah merde, on peut pas regarder. Regardez là, ce point de vue, on dirait des yeux. Je vais laisser mon tel charger un peu avec une batterie, je reviens après. Des bisous, Amélie, merci d'être venue. Mais n'utilise pas toute ta 4G, hein. Parce qu'on sait pas quand ça va revenir, Internet. Ah, attendez, il y a un message. J'avais pas pensé à ça sous cet angle. Ah. J'avais pas vu. Il est 15 h? Ah oui, mais j'ai commencé mon live plus tôt, c'est vrai. Mais si, on dirait des yeux. Oh! Oh! Il y a un nouveau truc là. Par contre, j'ai laissé ma balise là-bas. Oh, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Vas-y, on va sortir. On va essayer de faire un petit repérage. Attendez, c'est pas une bonne idée. Non, 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 attendez. Je vais remettre un peu plus loin mon truc. Sinon, je vais pas réussir à rentrer dedans. Ici, je sais, c'est pas comme dans Subnautica. Il n'y a pas des léviathans qui peuvent croquer ton vaisseau. Enfin, si, mais pas ici. Ça a l'air safe. Là, c'est bon, parfait. Me dis pas météo, s'il te plaît. Hein? Tu m'emmerdes pas. Oh, il y a un truc là-bas. Oh. Oh. Ah, parfait. Oh.
Oh! Attendez, je vais manger un des fruits là. J'arrête pas de dire oh, mais peu importe, les yeux c'est pas flippant. Les yeux comme ça qui sont dans l'eau alors qu'ils ont pas censé être, qui sont pas censés être dans l'eau, si c'est flippant. Oh, attendez, ça, genre, c'est chaud. Ça, genre, c'est chaud. C'est un geyser, évidemment, c'est chaud. Ah, merde. Il n'y a pas une feuille, quelque chose comme ça. Oh! Faut que j'arrête de dire oh. Ah bah au pire, il y a de l'eau ici, je pourrais y retourner. Ah bah parfait. Ok, j'ai compris. C'est comme les... Il faut que je monte. Comment je monte? Les poissons, les animaux marins ont des yeux comme toi et moi. Oui, mais... Mais j'ai eu peur. Comment je monte par là? Ah, il me faut une plante, s'il vous plaît. Là-bas, il y a des geysers. On va aller vers les geysers. Vite, 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 vite. Non! Parfait. Allez, go. On y va. Il y a encore pas mal de 4G, ça ira. Attendez, il faut que je mange un truc. Attends. Je voulais pas te laisser un vent. Bon, je fais des bisous. Des bisous à Mélisse. Bon, je crois que j'ai découvert un truc, mais... C'est quoi? Qu'est-ce que... Faut que je fasse gaffe quand même. Ah mais il y en avait un ici. Oh c'est débile ce que j'ai fait. Par où je passais? Par en bas? Le pont a quand même été cassé, hein? Ouh! Il y a tellement de minerais. On va aller par là-bas, hein. De toute façon, j'ai reçu de la nourriture. J'ai reçu beaucoup de choses. Eh bah, vas-y, geyser, s'il te plaît. Allez! Allez! Merde. Il est sérieux? Le geyser, s'il te plaît. Ah. All Terra facility beacon detected nearby. Oh. Unique identifier. Fire Robotics Center. Oh. Oh, j'ai des fruits pour me réchauffer. Pourquoi je... Ah, mais ces trucs, ça donne chaud aussi. Ok.
bah voilà. Par contre, c'est pas le symbole que j'attendais, si. Attendez. C'est le symbole que j'attendais ? Oui, c'est le symbole que j'attendais. Faut que j'arrête de dire « Oh, n'arrête pas !» Écoute, il y a trop de trucs. Mais non, je veux pas prendre la neige, je veux prendre le titane. Voilà. Ah. Oh, t'inquiète. Hop, 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 hop là. Je peux rentrer. Oh putain. C'était un screamer gratuit. C'était un screamer tellement gratuit. J'ai pas fait de I, j'ai pas fait de A, j'ai juste eu peur. Je peux passer, parfait, c'est trop bien. Phi Robotics. This is where Sam worked. Oh. Oh mais c'est beau. Oh c'est trop beau. Snow Fox. Snow Fox. Quoi? New blueprint synthesized. Cryoglisseur Snow Fox. Mais ça fait pas peur. Non, mais j'ai été surprise. Qu'est-ce que c'est que ça? Ressources cachées derrière... Oh. Bulbe à poche. Propriété anti-gel. Est-ce que si je coupe ce truc-là... Ah bah oui, mais il y a un Snowfog, ça veut dire alors. Et il ressemble à quoi? Ah, c'est l'espèce de moto! Comme on avait vu dans le truc de base. Dans... Oh, c'est trop bien. Oh, vas-y, c'est trop bien. C'est l'espèce de moto. Centre Phi Robotics. Je vous avoue que je m'attendais pas à trouver un truc aujourd'hui. Ah! Ah merde, ma lampe. Moi je vois, mais je sais pas si vous vous voyez. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. J'adore l'environnement là. Oh, il y a une échelle par là-bas. Il y a des escaliers. Attendez. Je peux passer quand même. Ah non. Oh non, je pourrais jamais. On va essayer quand même, on sait jamais. Ah si, je peux.
c'est trop bien. Il y a un truc là. Mais c'est trop bizarre ça par contre. Paillasse. Ça fait un peu bizarre d'être penché. Ah bah ça je pouvais. Je l'avais déjà débloqué non? Ouais. Administration. Oh c'est un chauffage. Trop bien. Ça c'est quoi? Oh. Ah. Faut que je passe. Oh PDR. Brought a friend. Spy pangling and training. We're recording audio, is that okay? Of course. I have the photos you sent. What am I looking at here? Corral pustules on the frozen leviathan. That's nothing to worry about in and of itself. It's well contained. The ice samples suggest it's been frozen since the time of the outbreak. The strain made the planet uninhabitable. If it mutates... Are you feeling unsafe? Very. If I escalate this issue for you, will you feel comfortable enough to concentrate again? I have deadlines for the snow fox and the mining bots coming up. I really need your focus on the penglings. Oh, yeah. That's a relief, actually. I was expecting more of a fight. Nothing is more important than our safety. I'll take care of it, okay? Thanks. I won't let you down. Thanks, Sam. Keep up the good work. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle a pas fait du tout ça et que du coup elle est plus en mode ouais je vais lui dire que j'ai fait ça histoire de pouvoir bosser et d'être tranquille. Je suis sûre à 1000% elle a rien fait. Oh, attendez. Je vais manger des trucs. Ouais mais j'ai beaucoup de choses là quand même. Je vais jeter du titane en vrai. Ah non, je vais jeter la boule de neige. Parce que t'as un esprit malsain. Bah écoute, pourquoi est-ce qu'elle l'aurait fait? Hein? Tiens, c'est encore la même photo. Croyez que la photo qu'on a vue là, et qui était dans le premier Subnautica, c'est vraiment un personnage qu'on va croiser. Enfin, qu'on va croiser. Qui même me suivent. Hey guys, I'm so glad you're here. Where else would I be? Like I'd miss Fred being exposed as the alien intruder. That's not gonna happen. But you didn't say you were not the intruder. No, not this argument again. I beg you. I think the game will settle this debate. So, I just want to ask you something quick before Zeta gets back and we start playing. It's about the cavern with the frozen leviathan. I investigated, and... You investigated? When? I didn't see it. Pardon. Maybe you were asleep or busy doodling inappropriate sea creatures. Those drawings are art. T'as la tête de l'artiste, ouais. I've looked into it, and I think we have reason to be concerned. It wasn't that long ago this planet was uninhabitable. But if we work together, we can get them to... A faire muter, Kara? I'm not comfortable with this. Samantha... Paranoid. Come on now, you're Sam out. She has her safety at heart. And the rest of us don't? Zeta! Can we play the game now? Fine. Attendez quoi? Il voulait faire muter Kara? Bon. Déjà là... Il y a des éléments qui disent ok, qui soit venu pour faire, qui soit venu pour, enfin, qui soit venu aussi vite sur la planète, sachant qu'elle est habitable, ok, je peux plus ou moins l'accepter. Mais faire muter Kara? Oh, réfrigérateur, c'est nouveau ça. Si c'est, s'ils sont venus juste parce que bah la planète est habitable, 2 ans. C'est juste, c'est vraiment très juste, mais vu la vitesse à laquelle
Mais non, mais c'est pas possible, toutes les créatures qui sont nouvelles. Après, techniquement, c'est un autre coin de la planète, donc pourquoi pas. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait faire muter Kara? Kara devient Karabaf, puis Tortank. Ah, j'ai mal de rester assise. Franchement, je sais pas. Pourquoi est-ce qu'il voulait faire muter Kara? Moi, j'avais compris que justement, avec ce qu'elle disait, ce serait au contraire pas faire muter Kara, mais enfin contrôler une mutation de la bactérie. Et là, de ce qu'elle dit, c'est faire muter Kara, c'est faire muter la. Attendez, sauf si j'ai mal compris. Mais nous pouvons mettre un terme aux expériences destinées à faire muter Kara. Mais oui, ils veulent faire muter Kara. Mais pourquoi? Il y a un truc qui va pas, hein. Il y a vraiment un truc qui va pas là-dedans. C'est trop bizarre. Oh, j'ai pas vu le poster. Je regarde si j'ai rien loupé. Dommage que je puisse pas rentrer par là-bas. Franchement, c'est super bizarre. Ah, c'est le désaffecté. Merde. Je vais jeter quoi en vrai? Je vais venir après le récupérer. Je sais que je peux le prendre. De toute façon, il faudra que je repasse par là. Enfin, je vais repasser. Ah, peut-être pas. Oh! Oh! Oh non! Ah, mais non, c'est un portail d'arrivée. C'est pas un portail de. Il y a plein de mailles de fibres. Ah, je pouvais passer par là aussi, tiens. J'ouvre tout, mais je sais que du coup, inventaire plein, mais le soin. C'est un portail d'arrivée, ça. Ils ont branché un câble. C'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. En tout cas, on est sur la même planète. Ça explique que. Mais il mène où ce portail-là? Franchement, c'est hyper bizarre. Ah, en décomposition. Bah, je peux plus les manger. Par contre, je vais les jeter du coup. Ah non, je pouvais les manger en vrai. Est-ce qu'ils retirent de la santé? Non. Viens avec moi. Vous retirez pas de santé, donc je vais vous manger, les gars. Ah ouais, mais ça prend un blinde de place. Oh, kit de soins. Je vais d'abord récupérer les trucs.
Bon bah je suis arrivée jusqu'ici. Mais ah, je suis pas allée jusque... Je suis pas allée là-bas. Par contre, il faut vraiment que je garde deux comme ça. Thermos à café. De l'eau désaffectée. À la limite, au pire, je virerai le titane. Même si ça m'emmerde un peu de jeter le titane. Je jetterai le titane. Bon, on va toujours prendre le kit de soins. Je vais récupérer ce que je peux et puis on verra bien. Hein. On va ressortir. N'empêche que pour une fois, j'ai eu un bon sens de l'orientation. Parce que je me suis... Oh. J'allais te louper, toi. Sam loved working here. She told me so. Parce que pour une fois, j'ai trouvé le truc. Alors que j'ai failli... Oh. Oh, je l'ai. J'ai même pas droit à une petite musique. Bah, c'est pas cool, hein. Oh. Bon, on va jeter du titane. Je veux garder tous les posters. Ah ouais, j'ai beaucoup de piles quand même. Non, je m'en fous, je jette le titane. M'en fous, je veux garder tous les posters. De toute façon, au pire, je pourrais revenir. Hey Sam. Oh, hey there, pangling buddy. Hi Fred. What brings you this way? I was just passing by. Ah oui, le son aussi. A hand with a deep dive out in the bridges. You know, I think she's right. There is some weird stuff out there. The clicking sound? SOS. I heard it with my own ears. So you think she's right? There's intelligent life down there? I don't know. I'll leave that to you scientist types. This scientist is more at home with these penguins. But if my sister was here, she'd be all over this. Wait. Are you telling me you're not the brains of the family? Oh, my family has many different brains. Like a... A hydra? Well... Oh, yeah, actually, I like that analogy. Makes it hard to get along sometimes, but it's never dull. Okay, c'est bizarre. Attendez, Fred, c'est qui déjà? Je me rappelais plus lequel j'aimais pas. Non, Fred, ça allait, je pense. Tu as sûrement raison. Non, Fred, ça allait. Il y en avait un que j'aimais pas, mais je sais plus lequel. Oui, non, ok, c'est Emmanuel. Emmanuel, bof, mais t'aimes pas... Si, si, si. Non, mais c'est Emmanuel qui, en fait... Fred, lui, il a aidé Sam, c'est ça? Je sais plus qui il a aidé. Fred, il a aidé Sam, je pense, mais je suis plus sûre si c'était bien Sam. Et c'est Emmanuel qui disait non, 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 faut respecter la mission, blablabla. Ok, c'est bien, je repère, c'est bon. Je repère. Je jetterai le kit de soins après en vrai. Le titane, on récupérera plus tard. Hey! Oh! Il en faut 3, c'est ça? Ouais, logique. Piles, j'en ai déjà tellement des piles. Oh! Attendez. À l'origine, une théorie entourant ces structures extraterrestres avançait que les portails auraient été des artefacts religieux ou des machines industrielles. De plus amples recherches ont indiqué qu'elles sont en réalité des téléporteurs de moyenne portée. Oui, j'arrête pas. De plus...
permettant l'acheminement instantané de matériaux baryoniques à travers l'espace et le temps. Une synchronisation des portails primaires et secondaires est nécessaire. Le portail primaire contrôle la destination et doit être alimenté pour permettre le transfert bidirectionnel des matériaux. S'il ne fonctionne pas, le portail secondaire devient inutile. Pour l'instant, le procédé permettant d'utiliser cette technologie extraterrestre est encore mal compris. Comment est-ce qu'il peut être mal compris? Enfin, non, techniquement, ok. Ok, je comprends. Ils savent comment le faire, mais... voilà. J'espère que ces explications sont claires. Ah, mais le pont... J'ai eu peur, j'ai cru que mon stream avait bugué, mais c'est juste l'apparition de la map. En fait, moi, on est dans ce coin-là, et le pont en question, c'est celui... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'allais dire, le pont, c'est celui que j'ai pas pu traverser et passer par là-bas. Mais non, en fait, le pont... Moi, j'ai dû me mettre ici, sûrement. Et peut-être que le pont est par là-bas. Et moi, je suis allée direct par la gauche. Non, je pense pas. Je peux pas. J'ai pas encore assez d'infos pour ça. Donc là, on a fait ça. On a fait ces trois-là. Et il nous reste ça et ça. Et mine de rien... Attendez... Réfrigérateur, ça je vais en faire par contre. Ça je vais en faire. Parce que ça pourrait être tellement utile. Et qu'est-ce que je voulais chercher? Ah oui, pour le... Déjà il y a le Snow Fox, il y a le Prone que je dois débloquer. Et... Ah, ça. Oh mais il faut encore du diamant. Oh mais pourquoi il faut du diamant? Je sais pas où il est le diamant. Mais c'est pas cool, monsieur. C'est vraiment pas cool de demander du diamant. Le stuff... T'as pas fait le rouge? Le rouge? Attends, le rouge. Attends, je regarderai après. Le Snow Fox est un cryoglisseur monoplace conçu pour traverser rapidement une grande variété de terrains. Bien qu'il n'offre qu'une protection limitée aux pilotes, le Snow Fox est capable d'esquiver la plupart des menaces. Notamment lorsqu'il est muni d'un module de saut, mais évitez de le manœuvrer sur l'eau. Le cryoglisseur à grande vitesse. Cryoglisseur à grande vitesse, phare intégré, rien de tel que pour avoir la classe. Le Snow Fox, vous risquez de le remettre plein la vue. Mais j'ai fait cette partie-là, attends. Le truc rouge? T'as pas fait le rouge? Y a pas de rouge. Ah, tu parles de cette carte-ci? Parce que là, sur cette carte-là, je fais orange. J'ai fait Delta, j'ai fait celui-là. Et du coup, là, je suis en train de faire celui-là. Il me reste ça. Et ça. La carte est quand même super grande, hein, vu comme ça. Ouais, pourquoi j'ai... Attendez. Non, c'est bon. Ah non, c'est bon. C'est un message de ma meilleure amie, mais c'est bon. T'as pas fait celui dessous du delta? Attends, t'as pas fait celui en dessous du delta? T'as fait le violet? Quoi? J'ai fait ce truc-là? Attends, merde, attends. J'ai fait ça? J'ai fait ça et ça? Ah mais oui, mais tu m'avais dit qu'il y en avait un qui était sous l'eau. Ah! Moi je pensais que j'avais juste fait ça et ça en fait. Ah, mais ça explique, en fait. Moi, je suis par là.
C'est pour ça qu'en allant vers l'ouest, je suis arrivée par ici. Moi, je suis par là. Les pingouins, etc., ils sont par là. Le biome tentaculaire, je sais pas où il est. Moi, je dois être au milieu ici. Du coup, Delta, c'est par là. Ok, je me voyais pas du tout à cet endroit-là. Mais on n'a pas le nom de ce truc-là. C'est Outpost Zero, tu dis ? C'est quoi le signe du zéro ? Enfin, oui, je sais ce que c'est, mais je veux dire... ils disent pas, hein. Mais c'est pas celui-là. C'est le zéro en barré en diagonale, mais... Non, il y a Omega, il y a Phi Center, donc là je suis à Phi Center Robotics machin, donc c'est à gauche. Le Delta. Ah, mais c'est compliqué aussi avec leur truc là. Et c'est chaud, hein. Ouais, j'ai du mal, ça se voit, non? Ah, j'ai du mal, hein. J'ai vraiment du mal. Moi en fait, j'imaginais que j'étais ici. Où j'étais genre par là. Du coup, que ça c'était le delta, que le delta était derrière moi. Mais non, je sais pas ce que j'imaginais. Non, moi, voilà, c'est ça. Moi je pensais que j'étais ici, que le delta c'était le truc en face de moi, que du coup, bah l'espèce de d'endroit où travaillait Sam, on avait récupéré pas mal d'infos, c'était ça. Et c'est pour ça que je voulais aller juste à l'ouest. Mais j'imaginais pas que j'étais au-dessus. Donc là, ce qui veut dire que j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Ouais, finalement, la carte, elle est pas si grande que ça, au final. On sait ça, mais je savais pas que ce symbole-là, c'était ça. Et j'ai fait les trois premiers, ça veut dire. Site minier, mais Omega Lab, je l'ai pas fait. Mais même en regardant la boussole, mais ça explique pourquoi je me suis perdue. Parce que du coup, je pensais que j'étais ici. Je pensais pas que j'étais là. Et ça change, hein, mine de rien. Et je comprends pourquoi tu disais que j'étais pas arrivée jusque là. Oh, c'est compliqué. Oh, c'est très compliqué. Bon, du coup. Oh, c'est quoi? Oh! Non, mais non, mais non, on peut faire ça. Manchounet espion. Le Manchounet espion offre aux chercheurs de nouvelles possibilités d'études des habitats naturels situés au-dessus du sol. Ils sont particulièrement utiles pour manœuvrer dans des espaces autrement trop étroits pour les humains. Les manchouels sont des créatures très actives. Se montrant protectrices avec leur jeune manchounet. Afin de mieux étudier ses énergies. Afin de mieux étudier ses énergiques habitants de la région arctique, les scientifiques d'Altera sur 4546B ont dû réfléchir au problème sous un autre angle. Un phénomène très connu, le principe de Vicaicus, affirme. Que pour mieux étudier la faune, il faut devenir la faune. Les scientifiques de l'univers tout entier ont mis ce principe en application pour infiltrer et observer les créatures extraterrestres, peu importe leur taille et leur tempérament. Le docteur Caicus, Curtis Stetson et Macbeth en sont les pionniers. J'ai lu les prisonniers. Ils se sont révélés de véritables sources d'inspiration. C'est pourquoi, après des mois et des mois de tâtonnements, le premier manchonnet espion fut fabriqué au centre Phi Robotics. Avant apportant avec lui une nouvelle ère d'exploration et d'excavation dans tous les avant-postes opérationnels. Caractéristiques, coque externe, externe, entièrement personnalisable, ok. Deux chenilles tout-terrain permettant un déplacement facilité dans des milieux accidentés, une télécommande de contrôle d'une portée de plus de 80 mètres, quatre emplacements de stockage, oh, mais c'est trop bien ce truc.
Appareil photo détachable. Ça doit être sympa quand tu corrigeais les rédactions des élèves, tu devais tout comprendre de travers, lire de travers. Oh, parfois c'était dur, hein. Oh, c'était très dur. Le manchonnet espion, détendez-vous et laissez le robot faire le dur labeur à votre place. Et genre, je peux... Oh mais non, je peux vraiment le faire. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Oh. Mais elle était pas déjà dans un autre lieu, elle? This must have been Sam's room. Quelque chose cloche. Qu'est-ce qu'il y a qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Oh, un bracelet. Par contre, le bracelet... Ok, attendez. Révélation. Hi, you. How's everything at Pengling Central? Oh, fine. But I haven't heard anything since giving the footage to Zeta. It's been, what, a week? Did she promise you a report? No, but I expected some kind of reaction. Maybe I should take it up with Emmanuel. It is Kara, after all, and it could cause a lot of suffering if it got out. Why would it get out? We have professional containment and know how to neutralize it in an emergency. Sam, I love you, but you don't know what you're talking about. You love me? Wait, why do you know so much about this? It's my area of research. Why are you being evasive? Oh, I'm gonna tell you something, and then you have to drop this crusade you're on before you damage your career. We're researching the bacteria. What kind of research? Oui, mais ça on le savait. I don't want you worrying about this. We are aware of the possible downsides, but they're far outweighed by the potential. That's as much as I can tell you. Sam, I need to think. I have to go. Je comprends pas. Tu peux le faire, mais tu as... Mais oui, c'est pas compliqué, regarde, on va... Enfin, pour le faire, c'est pas dur. C'est dans les outils, en plus. Kit de câblage, caoutchouc, pile, titane. C'est bon. Il faut juste que je trouve de l'argent. Et de l'argent, maintenant que je sais que le biome est... beaucoup plus grand. Oh, celui-là il doit être trop bien. Mais par contre ça veut dire que tu dois aller dehors. Enfin je veux dire j'ai encore débloqué autre chose. Ah bah oui le lit. Ok. Ah je vois plus rien. Ah. C'est un mur. Oh joli. Je comprends pas ce qui cloche. Pourquoi tu disais que quelque chose clochait? Encore un truc par là, non. J'ai vraiment fait le tour. Non, te bloque pas, ce serait débile. D'accord que je suis allée par ici, non? Ouais, je suis allée par ici. Oh, mais j'ai soif. Ouais, j'ai un peu faim aussi. Ok. Non, mais j'ai pas fini, pas du tout. Il me reste le... Oh, j'ai tellement de balises, ça veut rien dire. attendez. On va mettre un peu de... Alors... tout ce qui est... les quais, on va les mettre... en bleu. Les biomes, je vais les mettre en vert. Ça, je sais pas encore ce que c'est, donc je vais pas y aller. Enfin, je vais pas le mettre. Et ça, ok, parfait. Là, ça me semble mieux.
Je vais juste en effacer quelques-uns, parce que là, il y a beaucoup trop de choses. On va cacher celui-là. Cacher celui-là, parce que de toute façon, j'y vais pas tout de suite. Coucou, Anna. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Enfin, re, plutôt. Quand ils arrivent à zéro, ils sont quand même bons, hein, j'espère. Oh, j'adore cet endroit, c'est trop beau. Franchement, c'est le plus beau que j'ai trouvé. Ça va bien et toi? J'adore parce qu'ils mettent tous, ils mettent toujours gelé. Enfin, c'est logique, hein, vous allez me dire, mais... Oh, il y a encore ici. Ah non. Oh non, mais sérieux. Je peux enfin me poser. Ça vient, je viens de finir ce que j'avais à faire. Parfait. C'est parfait. C'est ça votre météo dangereuse? Ah oui, ok, effectivement. Je sais plus d'où je viens. Pourquoi je suis protégée ici? Pourquoi est-ce que j'ai chaud? Bon bah il faut que j'attende, j'ai pas le choix. Tu viens voir Lana se perdre et se reperdre. Non! Maintenant ça va. C'est gelé? Oui, c'est gelé. Ramasser neige. Comment ça, ramasser neige? Bah écoutez, on va vers la balise. Hein. Ah! Ok. C'est tout? C'était juste ça? Bah, je vais laisser cette balise là et je vais peut-être récupérer l'autre en vrai. Attendez, je vais retourner vers l'intérieur histoire de me réchauffer un peu. Je comprends pas pourquoi j'ai chaud ici. C'est quoi qui me donne chaud? Oh! On peut récupérer ces trucs là. Oh! Je vais laisser le truc ici en vrai. Hein. Oui, j'ai encore dit. Elle a presque enfin compris la carte. Oui, t'as vu ça? Merde. J'avais repéré des escaliers, mais. Je suis en train de me refroidir de nouveau. Allez, tu reviens au fond. Non, les escaliers sont par là. Moi, il me semble que je viens d'en haut. On va éviter de se faire mal. Là-bas, il y a des escaliers. Oh! Oh! Bon, du coup, on peut changer la couleur de ce truc-là, hein. Ok, c'est juste pourri, mais je pourrais quand même l'utiliser. Du coup, ce que je vais faire...
Je vais changer la couleur de plateforme d'atterrissage et je vais le mettre en bleu aussi. Voilà, c'est mieux. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses là. Si elle devait donner 1 euro à chaque fois qu'elle disait « Oh, on serait SDF ». Je cours. Hein. Ah, parce qu'il faut les scans. Ah non, non, ok, je me dis aussi. Pourquoi j'ai chaud? Ah, parce qu'il y a le geyser, tout simplement. Ah non, mais je vais manger, je vais boire en fait. Et je vais jeter un kit de soins, ouais, parce que ça me sert à rien. Ah, je fouille tout. Hein. Ah. Oups. J'ai froid. Oh, j'ai loupé le PDF, mais le PDF. Il y en a quand même partout, hein. Je sais pas à quoi ça sert ça, mais dans le loot, je récupère. Ah. Ah zut. Je préfère ramasser du cuivre en vrai. Je viens de là, non? Oui, je viens de là, moi. Ah, je pourrais reprendre des fruits. J'ai pas encore fini de visiter, hein. Là, il y a un chemin? Non. On va éviter de sauter par là. Oh, là, il y a un truc par là-bas. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein? Stalag. Anémone ambrée. Mais c'est trop beau. Mais j'adore ce côté-là. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ok. De repérage. Ah, ok. Mais je l'avais déjà, non? Ah, il m'en manquait peut-être un truc. C'est possible, en vrai. Comment on fait l'outil de repérage? Il est où? Là. Bon, ça va. Il est facile à faire. Ok, mais c'est tellement grand. C'est grand de fou. Ok, là je reviens sur mes pas. Je peux pas récupérer ça? Non. Ça je vais en récupérer, mais après, je vais d'abord fouiller. Qu'est-ce que c'est que tout ça?
Ah, et là, je reviens. Ok. Je reste à l'intérieur. Je veux pas me faire mal. Mais j'aime beaucoup cet endroit-ci. Franchement, je l'aime bien. Je l'aime bien. Mais attendez, je vais retirer la notification que j'ai soif en vrai, je vais aller me chercher à boire. Je vais d'abord fouiller encore un petit peu, mais je vais aller me chercher à boire. Donc il y a tous ces fruits-là. Est-ce que je vais pouvoir les planter? Je sais pas. Donc ici, j'ai fouillé. Wow! Comment c'est beau! Faut que je fasse gaffe, hein. Est-ce qu'ici je me protège ou pas? Ouais, ici je suis protégée. Mais c'est trop beau. Oh, et un truc qu'ils ont modifié aussi. Quand on court, on peut garder la lampe. Ça, c'est sympa. Parce qu'avant c'était bien chiant. J'ai peur d'avoir loupé quelque chose. J'ai pas l'impression, hein, mais... Je suis en train de me prendre un geyser dans les fesses. Je s'échauffe. Là, je suis allée... Là, je suis allée. Je crois que j'ai fait le tour. Ah, ça, j'ai pas lu. Les manchounets espions nous offrent tellement de possibilités de recherche. Ils sont parfaits pour explorer les petits espaces dans lesquels je ne peux pas me glisser. De vraies petites mines d'or. Ils ne peuvent pas transporter grand-chose, mais ce n'est pas un problème car la faune locale semble généralement l'ignorer. Mes petits amis robotiques sont trop mignons pour se faire détruire. Merde. J'ai pas fait gaffe. Wow, vite. Pas capable d'avoir des lampes intégrées à la conduite dans le futur. Ouais, mais bon. Ok. Ok. Alors, ici. Plante... peuvent être utilisés en vue de la purification chimique d'une eau non potable. Je vais replanter tout ça en vrai. Hein. Je vais vraiment replanter. Parce que je sens que... je risque d'en avoir besoin. Alors, attendez. Je sais pas où je suis. Là-dedans, je suis là. Mais là-dedans... je pense pas que je sois là, hein. C'est trop facile. Ils vont pas entourer l'endroit où on est. Enfin, quoique... on pourrait... en vrai, ils pourraient. Ah, ok, là ça, ok.
parfait. Là, ça retire de la santé. Ils ont agrandi. Ils ont changé. C'est pas comme avant. Du coup. Là, je suis passée. Est-ce que je loupe un passage ou pas? Ah oui. Totalement. Je loupais totalement un passage. Salut, Angelo. Je suis pas sûre, en fait. Si, je loupais totalement un passage. Ah, mais j'ai froid. Tant pis. Ah, là, il y a un truc. Ah, mais je l'ai loupé. Il faut que je continue. Ça va, et toi? Allez, go, on y va. Et du coup, là, je peux éteindre ma lampe. Éteins ta lampe. C'est trop beau. Oh, genre, je peux descendre. Genre, je peux vraiment descendre? Ou c'est cassé? Genre, je peux vraiment descendre. J'ai bien fait touiller. Ah, petit geyser. Allez. Allez. Souffle-moi dans les fesses. Allez. Plus vite. Petit geyser, souffle-moi dans les fesses, s'il te plaît. Et tu veux bien me souffler dans les fesses? J'ai vraiment dit ça. Bah tu veux pas. Oui, je sais que t'as froid. Oh, elle a froid. On va descendre, j'ai pas le choix. J'espère que le froid n'ira pas en bas. Ah merde, si. Ah, ouf. Ah, ça c'est bien. Ça c'est sympa. Fusée éclairante, je m'en fous un peu en vrai. Y'a de l'eau ici? C'est de l'eau ou c'est de la glace? C'est de la glace. Ah, la lampe bug un petit peu, hein. Mais j'adore cet endroit. C'est vraiment super beau, je trouve. Je m'inquiète pas pour les piles, hein, j'en ai tellement. Ah, attendez, on va pas sortir, on va d'abord tout explorer. Ça fait déjà 2h30? Mais non, pourquoi ça fait 2h30? Vous croyez que c'est ce truc-là qu'ils ont récupéré? Non, ça m'étonnerait, je pense pas. Comment ça se fait qu'il est que 16h30? Ah, mais c'est parce que j'ai commencé mon live plus tôt au cas où. On est d'accord que... Non, c'est un hasard, n'est-ce pas? Je suis pas sûre. On dirait un crâne. Non, c'est pas un crâne. On dirait? Mais non, c'est pas un crâne. Allez, go, on va continuer. Oups. En tout cas, j'aime beaucoup cet endroit, même si j'arrête pas de le dire. Vraiment, j'aime bien. Ma lampe, elle va bientôt rendre l'âme. Je sais pas du tout où je suis. Hein.
Ah, ok. Faut que je fasse gaffe quand même avec la température. Je vais peut-être aller à l'intérieur d'abord, me remettre à fond, fond température et puis go. Voilà, go. Mais si, mais c'était totalement ça en fait. Oh merde. C'est bon, je suis protégée. Mais qu'est-ce que... Ah mais si, c'était tôt... Oh, wow, c'était quoi ça? Non. Je vais promener le toutou, je... Ok. Oh putain. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi? Un indien dans la neige? Ah non, mais pourquoi il y a des méchants sur Terre? Je vais aller me chercher mon goûter. Attendez, j'ai oublié de me prendre de l'eau. Je suis la pire, je pars pour me prendre à manger. Donc... Je suis là. Et encore la chaise se retourne. Alors qu'est-ce qui se passe? Oh là. Attendez. J'ai loupé des trucs. Qu'est-ce qui se passe? Papa a lu qu'il espérait pouvoir réparer l'électricité d'ici la fin de la semaine prochaine. What? Heureux? Comment ça, fin de la semaine prochaine? T'as vu le trailer, Lana? Tu squattes pas chez Lana, Amélis? Ils ont rétabli 222 cabines. Mais oui, mais vous, ils vont pas rétablir? Non, c'est le moment de squatter et bouffer de la pâtisserie gratos. Faut voir. J'espère qu'on sera pas dans les dernières cabines. Ouais, mais c'est quand même long, quoi.
D'ici la semaine prochaine. Mais là, cette semaine, elle pouvait pas venir. Parce que j'ai toujours des trucs le lundi, donc... Et vous pouvez pas savoir avoir les infos? C'est quand même long. Enfin, ça fait 2 semaines sans électricité, quoi. Mais oui, c'est ça, la fin. Donc ça veut dire pas avant... Là, ça fait 1 semaine que vous avez pas d'électricité. Ça veut dire 2 semaines. Bon, après, j'espère que ce sera plus tôt quand même. Non, non, non. Oui, c'est vrai. Au vu du dégât, c'est pas énorme. Et le souci, c'est que... Le souci, c'est qu'ils ont même pas de quoi faire chauffer. Donc pour manger, ils peuvent pas. Ils peuvent pas... Ou alors, il faut trouver vraiment du gaz, quoi. Parce que si vous avez un réchaud sans gaz... Ben c'est ça, c'est super compliqué de manger. Et puis même pour vous doucher, ça manque de groupe électrogène de secours. Mais totalement, c'est tellement ça. Les machines, on s'en fiche. Bah, les machines, vous pouvez faire à la main. Hein. Moi, je fais tout à la main et ça va. Mais j'avoue que manger, même l'électricité internet, vous... enfin, c'est le tiers monde. Mais là, ils ont, ils devraient. En fait, si c'est encore la semaine prochaine, si c'est encore la semaine prochaine où il n'y a pas d'électricité, ils devraient au moins trouver. Enfin, dépanner, mettre, donner des trucs de gaz, donner des groupes électrogènes, etc. Ils vont pas dire qu'ils en ont pas, quoi. Parce que là, les gens peuvent pas rester 2 semaines sans manger chaud. Attendez. Je vais quand même mute mon micro parce que je sais que... Enfin, les bruits, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais quand même mute le temps de retirer le yaourt du couvercle. Non, ils donnent même pas de repas. Les gens qui passaient la semaine passée ne passent plus, donc ils donnent même la ville ne donne pas de repas, rien du tout, quoi. Et je trouve ça abusé. Il y a des endroits où on peut avoir chaud, mais pour moi, ils devraient au moins, enfin, selon ta disposition, ils devraient au moins. Peut-être pas les restos, bah si, peut-être même les restos, mais après les restos c'est compliqué avec le Covid. Parce qu'ils peuvent venir, nos parents peuvent venir faire chauffer chez moi, mais tous les jours. Sachant que moi aussi j'ai des trucs à faire, c'est compliqué. Ouais, non, franchement, ils devraient faire quelque chose. Surtout que bon, vu que vous êtes à côté d'un centre commercial, pour moi, le quartier allait être rétabli hyper vite. C'est au moins, surtout que c'est un quai, quoi. Vous êtes à côté d'un centre commercial et tout. Enfin, c'est bon, on rétablissait l'électricité à côté des gens, enfin, les quartiers, etc., avoisinants. Vous n'allez pas juste rétablir les centres commerciaux.
Parce que comment les gens ils font pour consommer? La ville, elle fait rien. Ce sont les petits gens qui viennent aider d'eux-mêmes. Bah oui, c'est ça. Bah la seule solution, c'est ouais, commander. Mais bon, commander, enfin, vous n'allez pas commander tous les jours, quoi. Le centre est rétabli, mais pas nous. Alors que vous avez été dans les premiers à ne pas, à ne plus avoir d'eau sur le quai. Franchement, prenez des bonbonnes. Est-ce que Lana a fait des pâtisseries gratos? J'ai même pas fait de pâtisserie. J'ai pas eu le temps. Franchement, j'ai même pas eu le temps de faire des pâtisseries. Lundi, j'avais un truc. Mardi, j'avais le contrôle technique. Mercredi, Amélie et mon père sont venus. Et aujourd'hui, j'avais le vaccin. Et demain, je sais pas. Je sais pas comment je vais me sentir. Donc, désolée, vous avez même pas de musique, mais comme c'est juste le temps de manger. Le centre commercial, ah. Bah, le centre de la ville, il n'y a aucun problème. Mais franchement, je suis désolée, mais ils devraient au moins remettre... Enfin, ils devraient trouver une solution, parce que je suis désolée, mais là, ils abusent. Ils devraient soit trouver des gens, débaucher des gens pour remettre plus vite, mais 2 semaines sans électricité, c'est pas possible. Oui, mais sur Amazon, peut-être que tu peux trouver des bonbonnes. Peut-être que tu peux trouver des bonbonnes de gaz sur Amazon, tant pis, elles prendront du temps pour arriver, mais au moins vous aurez du gaz et vous pourrez manger chaud. Parce que vous pouvez même pas faire de barbecue. Demain on va trier, voir les dégâts du garage. Ah. Bah franchement, regardez pour commander sur Amazon. Ouvrir un gymnase pour donner des repas chauds. Et après, c'est ce qui se fait en France quand il y a une catastrophe du type. Bah, il y a un gymnase d'ouvert dans leur quartier. Et pour donner des repas chauds, mais pas pour les douches, etc. Mais je sais qu'il y a un gymnase d'ouvert. Mais je sais vraiment pas plus que ça. Et je pense qu'il y a vraiment qu'un seul gymnase. Il y a un hall omnisport. Ah, ce que je peux faire, c'est peut-être moi relayer l'info, demander dans mes contacts si personne n'a de bonbonnes de gaz. Sachant que j'ai beaucoup de contacts scouts, c'est possible. Oui, il y a, mais bon, c'est pas... Il y a un seul truc. Il faut que vous y alliez, mais vraiment, allez tous les jours. En fait, ils rendent les gens dépendants plutôt que de juste... Vu combien... Mais voilà, c'est ça. Ils rendent les gens dépendants plutôt que de juste leur donner un moyen de... Enfin, un groupe électrogène. Ça coûte, oui, mais ça coûtera moins que des repas tous les jours à des centaines de personnes. Je crois qu'il y a 20 000 foyers ou 40 000 foyers sans électricité, hein. Et je sais que dans le coin... Il y a vraiment toute une partie où... Il y a toute une ville où ce sera pas... Il y a toute une ville où les trains ne circuleront pas avant fin août. Donc je veux bien que ça prenne du temps. Mais là, moi je pensais que c'était à cause de la décrue. Mais là, l'eau, c'est bon, quoi. Il fait même super chaud. Non, mais à un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Bon, on va retourner dans le jeu. Non, mais regardez sur Amazon, Amélie, vraiment. Parce que vous n'allez pas attendre que la ville daigne remettre de l'électricité. À un moment, il faudrait... C'est n'importe quoi. J'ai encore soif, ouais. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai pas sauvegardé depuis longtemps, maman, j'y pense. J'ai sauvegardé la dernière fois qu'on a découvert le biome des méduses.
Comment je fais? Je peux pas aller là-bas, on est d'accord? Merci, mais j'ai fini. Merci. Oui, mais après, je fais comment pour aller vers la bestiole? Ah, mais le manchot, je pense que le manchot était là-bas. Ah, mais là, c'est la porte. Je pense que je suis par là, mais je suis pas sûre. Je vois l'endroit, mais ça, j'ai pas encore trouvé en cette zone-là. Au pire, on va se faire croquer. Mais je sais pas à quelle vitesse il va, hein, lui. Ah non, non, il fait nuit, on va attendre. Ah non, il fait pas nuit du tout. Le problème, c'est que ça va être des réparations là-bas vite et que s'il y a une nouvelle crue, vous allez être encore dans les choux. Bah, ce qui me fait peur. C'est que la semaine prochaine, il repleut. Ça se trouve demain. Oui, peut-être. Peut-être demain, peut-être que vous avez, mais bon, enfin, je trouve ça abusé. Je trouve vraiment ça abusé. Sachant que je sais plus quand il pleut, mais j'ai vu qu'il allait pleuvoir dans la semaine. J'ai une petite mage. Oui, moi aussi, Valou. J'ai une mage de Phasma aujourd'hui et j'ai regardé ce que c'était. Ils ont mis un nouveau changement pour les Yuré. Et coucou, Valou. À partir de samedi, il repleut. Toute la semaine prochaine, il repleut. Non, non, peut-être que ça va être juste des averses, mais. Moi, en vrai, je m'en fous pour mes lessives, etc. Je m'en fous totalement parce que je peux les faire à la main, c'est ce que j'ai fait. Mais. Mais le plus chiant, c'est pour le. Vraiment, Amélie, si tu regardes pour Amazon, tu commandes du gaz, des bonbonnes de gaz sur Amazon. Tu t'en fous du temps que ça va prendre, mais tu commandes des bonbonnes de gaz. Je sais qu'ils en ont. Et en plus de ça, Amazon vous livreront vite. Oui, quand tu regardes, il y en a plein. Je viens de voir, il y en a vraiment beaucoup. On en a qui sont quand même grosses, mais en vrai, commandez, quoi. Il y en a qui sont presque épuisées. Bouteille de gaz pour 18 euros, ben, bonbonne pour réchaud. Enfin, il y en a vraiment plein. Hein. Et je sais pas ce qu'il vous faut, mais faut pas que ça recommence comme il y a eu. Cette fois-ci, ce sera pire. Ouais, ce sera d'office pire. Ouais. Enfin, c'est pas que ce sera pire, c'est que ils ont même pas fini de réparer les dégâts d'avant. Hop, voilà, je t'ai envoyé un truc. Bon, je vais au moins sauvegarder ça. Je sais pas si. Ah, attends, Valou. Je voulais te demander. T'es où? T'es où? T'es où? Voilà. On va voir. Moi, j'espère vraiment. Mais commandez quand même. Commandez quand même. Franchement, vous commandez, vous essayez. Bon, vous savez quoi? J'ai sauvegardé, on va voir où il est, lui.
Wow, il est pas gentil. Il est pas gentil. Il est dans mon dos. Monte. Vite. Ah. Il était peut-être pas sûr. J'ai encore répété 1000 fois la même phrase. On en parle ou pas? Mais non, mais il m'a crié, il a grogné. Non mais écoutez, c'est mort en fait. Je vais pas visiter là-bas. César aussi grogne. Non, César, il ne grogne jamais. Non, mais c'est pas possible. Mais je me barre pas avec César. Grogner et courir derrière toi, c'est pas la même chose. Mais là, il courait. Je vous jure que je l'entendais. De toute façon, Valou, on va faire on va faire une partie de Phasmo. Mais non, mais... Mais c'est quoi cette bestiole aussi, là? En vrai, j'ai couru... Non, vous savez quoi, on va où? Merde. Ah oh, merde. Ah non, j'ai cru que je m'étais bloquée. Scanne-le et tu sauras. Oui, bien sûr, je le scanne et je me fais croquer. Vas-y, tu sais quoi? Ah mais non, comment je vais faire pour le scanner? Mais il va tellement vite! Non, je peux pas le scanner. Mais si, il va vite. Non, mais il m'a fait peur aussi, lui, là. En plus, elle s'est paumée. Non, je me suis pas paumée, j'ai couru. J'ai couru tout droit. J'ai couru tout droit. Ah merde, je sais pas si... Mais si, je sais comment rentrer. Il suffira que je suive le symbole. Il suffira juste que je suive le symbole de l'aquatracteur, c'est tout. Non mais on va sauvegarder. Je vais m'arrêter là. Oh, j'aime bien. Pardon. Je vais m'arrêter là, on va faire une partie ou deux de Phasmo avec Valou. Oh, putain, il m'a fait tellement peur. Il m'a fait tellement peur, mais en vrai on a bien avancé, je me suis paumée. Quoi? Quoi? De quoi cette arnaque? Vous voulez vraiment que j'aille le scanner? Et la chose, mais Valou, je dis qu'on va faire du Phasmo. Pourquoi je suis une lâcheuse? En quoi je suis une lâcheuse si on fait du Phasmo? Parce que tu vas... Je vous déteste.
Vas-y, on essaie de le scanner, mais si je meurs, je vous jure, je ne le scanne pas. Je vous jure, si je meurs, je ne le scanne pas. Je vous jure, hein, je meurs, je ne le scanne pas. Je meurs, je ne sauvegarde pas, je ne scanne pas, je me casse, c'est tout. En plus, c'est un rôdeur. Mais regardez, c'est encore un rôdeur. Mais ces bestioles, je les déteste. J'ai peut-être un peu crié fort, pardon. Mais non, mais les rôdeurs encore. Mais... Oh. Il est pas si méchant que ça. De toute façon, je les aime pas. Ce sont des rôdeurs. Elle a rien fait. Elle a rien fait. Elle allait me mordre. Rôdeur des neiges. Rôdeur des neiges de... Ouais, alors. Le rôdeur est une espèce évolutive ursidée issue de sa version aquatique originaire des biomes aquatiques plus chauds de Inanianien. Voilà, vous voyez que c'était encore des rôdeurs. Les rôdeurs, je ne les aime pas. C'est tout. Comportement. Les rôdeurs de neige sont les super prédateurs de leur biome. Ils se déplacent en groupe et sont avant tout des créatures terrestres, mais n'hésiteront pas à aller dans l'eau pour chasser ou défendre leur territoire. De toute façon, les rôdeurs et moi, c'est pas bien. C'est jamais bien. Caractéristiques physiques notables. Son espèce. Non, mais les rôdeurs, il faut pas chercher. J'ai eu peur de lui sans même savoir qu'il s'appelait rôdeur. Son épaisse fourrure de poils creux sécrète une fine couche d'huile, l'aidant à conserver sa chaleur dans un climat arctique. Ses nageoires dorsales modifiées lui permettent de chasser sous l'eau. Sa langue bleu cyan, bioluminescente, permet au groupe de rester ensemble pendant les tempêtes hivernales. Analyse. À éviter, s'il est nécessaire d'entrer sur son territoire, des sources de lumière intense et des bruits imprévisibles ont permis de le dissuader d'attaquer. Oh putain, c'est pour ça que j'avais ce truc-là, là, à gauche. C'est pour ça que j'avais ça, en fait. C'est pas ça. J'avais j'avais ça là, regardez. J'avais une fusée éclairante. C'est totalement pour ça en fait. Parce que du coup, avec ça, il va pas m'attaquer. Enfin, il pourrait, mais il le fera peut-être pas. Bon, on va passer sur Vasmo, mais j'ai sauvegardé. Enfin, je l'ai scanné, donc on peut, hein. On a bien avancé. En vrai, je savais pas du tout ce qu'on allait... Mais je vais continuer, du coup, maintenant que je sais, je suis un peu débloquée. Il faut suivre la carte. Il faut juste suivre la carte, en fait, c'est tout. Enfin, c'est tout. Faut pouvoir la lire, la carte aussi. Attendez, je vais juste mettre... Hop. Ah, merde. Non. Je vais pas la mettre à jour maintenant. Je vais appliquer la mise à jour après. Merci. Suivre la carte, c'est une bonne idée. Ouais, mais j'imaginais pas réussir. Enfin, maintenant que je sais où je suis, ce sera un peu plus facile.
Parce que comment dire, je me situais pas du tout au bon endroit. Genre vraiment pas. Pour moi, j'étais genre en bas. Attendez. Je vais remettre ma caméra à droite parce que à gauche, on s'en fout. Faut pas taper sur le jeu. Mais non, enfin... Et non, mais tout le monde dit qu'il est un peu... que c'est dur de se repérer. Bon, je vais rejoindre Valou et je vais couper la musique, sinon je vais pas l'entendre. Hop. Merde, attendez, j'ai perdu Discord. Là. Coucou Valou. Ah, je t'entends pas si tu parles. Et ton micro n'est pas coupé. Ah si, c'est bon. Non, mais je t'entendais pas, mais j'entendais vraiment aucun bruit. Copier. Oui, mais il regarde pas la carte. Mais non... Enfin, si. Oh, attends. Ah, tu commences direct avec la nouvelle maison. Oui. Oh, mais je t'ai même pas demandé si t'allais bien. Tu vas bien. Ça va, et toi? Oui, ça va. J'ai même pas mal au bras. Un petit peu, quand même. Ni leur PDA. Mais si, les gens regardent le PDA. Oh, je sais rien. T'as fait ton vaccin? Oui, je l'ai fait ce matin. Non, mais t'inquiète, c'est pas pour toi, pleure-moi le bras. Merci, Valou. T'as vraiment les mots pour ça. En vrai, ça dépend des personnes. Il y a mon copain, il a pas eu mal, tout. Il a rien eu. Et moi, voilà, j'ai mis. Moi, je tout. Bah, le premier vaccin, il a rien eu. Enfin, si, il a eu un truc, c'est moi qui a rien eu. Ouais, c'est vrai. Au deuxième vaccin, c'est lui qui a rien eu et c'est moi qui ai tout. Bah, moi, au premier vaccin, j'avais hyper mal au bras. Et là, ça va, en fait. Pour l'instant, ça va. Et je m'étais fait vacciner aux mêmes heures. Le premier vaccin, c'était vers 9h et ce matin, c'était vers 9h aussi. Donc, en vrai, là, ça va. Mais je me rappelle qu'on avait joué à Phasmo. Et qu'à la fin, j'avais tellement mal. Si tu savais le nombre de personnes que j'ai vues qui disaient « Je suis perdue, on ne sait pas où aller », alors qu'il suffisait de chercher son PDA. Oui. Oui, c'est vrai. Même Cindy, qui était sur le live tout à l'heure, elle a dit que Subnautica était un peu perdue dans l'histoire. Ok, Anna. Mais là, ça va, ça se débloque. Donc en vrai, ça passe. Parce que je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir jouer sur mon ticket si j'ai mal et si je suis pas bien? C'est pour ça que j'ai lancé mon live plus tôt, histoire de... C'est toi qui en vrai, c'est pas maintenant que t'as... Non, c'est demain. Peut-être. Ils ont dit que c'est pas le jour de la piqûre, tu vas avoir des effets secondaires, mais le lendemain. Ouais. Mais j'ai quand même pris... Moi, ils m'ont dit le lendemain... 24 heures après, et pendant 2-3 jours, t'as des effets secondaires. Ouais. Moi, pour ce qu'on a ce que je suis, moi ça va pas faire 2-3 jours, ça va durer une semaine. Ouais, j'espère que j'aurai rien. De toute façon, je vais prendre un médoc contre la fièvre le soir. Alors là, j'ai tellement pas envie de me... Je tombe jamais malade. Bah, en fait, si tu fais ça, tu prends du Doliprane avant de dormir, tu le prends au réveil aussi. J'ai juste le Speedyfen, c'est l'équivalent, je pense que c'est l'équivalent pour vous, mais je sais pas. Speedyfen, c'est avec du paracétamol, et ma meilleure amie m'a dit de prendre du paracétamol, mais surtout pas un médicament qui fluidifie le sang, ou qui fluidifie. Mais de toute façon, je vais faire ça, parce que je tombe tellement jamais malade, que du coup, quand je suis malade... Ah non, mais t'inquiète, moi aussi. Hein. Et salut! Quand je suis malade, je fais taire. Oh, merci pour le follow, bienvenue. Quand je suis malade, je suis totalement à terre.
Ouais, mais moi je suis une mauvaise malade. Je suis vraiment une mauvaise malade. Parce que j'ai tellement rien contre. Enfin, j'ai, mais pour tout ce qui est. Blessure physique. J'ai juste pour tout ce qui est blessure physique. Oh, j'ai eu un petit lag. Ah, attends, merde, j'ai pas changé mes contrôles de souris. je dois prendre celui-là. Et ok. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah, je vois rien. Je vois quasi rien. Mais en vrai, j'ai plus ressenti de la fatigue que autre chose, peut-être. J'espère que ce sera vraiment que de la fatigue. Hein. Alors, EMF, bougie. Oh, la chasse. Bon, ça maintenant, on sait faire. Et Barbara Garcia. Ah, j'ai pas pris ça. Et le compteur, t'as vu où il était, j'imagine. Ils ont changé la lumière. Bah oui, ils ont dit qu'ils changeaient la lumière, ouais. Mais j'arrive pas à voir ce qu'ils ont changé. Là, c'est dans... Ça me fait bizarre, parce que ça fait une sorte de brouillard. Mais oui. Oui, même sur le bizarre. Live, on le voit. C'est hyper bizarre. Mais après, c'est réaliste, parce que ça fait vraiment comme ça, les lumières. Ouais, c'est vrai. Des lampes d'or. Là, s'il est où, tu disais? Dans le coin. Enfin... Ah oui, je l'ai. Juste devant. Ah, mais c'est trop perturbant. Où êtes-vous? Ah, t'as la Ouija. Où êtes-vous? Elle est où, la Ouija? Oui, depuis la mise à jour, il y a ce brouillard. Ouais, ils l'ont fait aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'était... Master Room. Ah, c'est la porte que j'allais ouvrir, je crois. Attends, je vais juste prendre la photo de la Ouija. Ça agace parce qu'il m'a éteint la première fois. Ah, merde. Ok. Voilà, j'ai la... Oh merde, il attaque. Tu vois. Merde. Je suis absolument pas cachée ici. Il y a la poubelle. Trois jours. Et là. Ouais, mais le souci c'est que je suis cachée dans la salle. Ouais, Mélisse. Oh merde. Non. Pardon, des gens sont venus proposer des pâtes froides. Oh, ça c'est gentil. Bon, c'est bon, c'est bon. Oh putain, c'était violent. On va prendre des médocs. Ça veut dire que... C'est déjà pas un démon. J'ai perdu énormément. Ah ouais. Ah, ils ont dit aussi que le Yorei, maintenant, il affectait plus la santé mentale qu'avant. Ah merde, il est là-bas. J'ai peur. Oh, je suis à 26%. What? Et t'es à 67%. En vrai, moi, c'est crédible. Ah ouais. Bon, vas-y. Bon, du coup, c'est... Oui, bah bon appétit. Mais non, mais vous avez déjà mangé, j'imagine que ça va être pour ce soir. Ah, c'est perturbant. C'est plus crédible, mais c'est hyper perturbant. Ouais. Mais c'est sérieux? Quoi? Vite. Il faut éteindre la lumière. C'est un démon ou une banshee, je pense. Il attaque à 60%. Il faut prendre des médocs. Comment on fait?
enfin du challenge. Mais non, mais depuis 2-3 jours, c'est costaud. Hein. C'est... Non, même pas depuis 2-3 jours, depuis la dernière manche, c'est hyper costaud. Hein. Non, 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 c'est bon. Bon bah, go médoc, hein. Enfin, moi j'en ai pas pris. Tant pis, on va se mettre à 100%. Hein. Ah merde. Oh non, ça me perturbe. Bizarre, vous êtes en pro. Oui, oui, on est en pro. Oui, oui. On joue qu'en pro depuis. Mais what? Attends, attends, j'étais à... Oh non, mais il y a un truc bizarre quand même. Il y a un truc vraiment bizarre là. Non, c'est pas ça que je voulais prendre. Par contre, on aura peut-être des empreintes. Mais... Bon, vas-y, je prends le deuxième. Hop. Est-ce que je prends la... Ouais, je prends cet appareil. Bon, là, on est à 100%. Normal qu'il attaque plus. Ils attaquent plus en pro maintenant. On va peut-être pas courir. Ouf, ouais, si, vas-y. Ah ouais, mais ils ont abusé sur la poussière, là. Ils ont abusé sur la poussière, quand même. Ah, il est là. C'est laquelle, c'est là ? Température glaciale. Ah, carrément, ok. C'est elle, en plus, c'est une femme. Ah ouais, mais elle a fait tomber des chaussures, elle a tout rougé. J'ai pas pris en photo les poupées, mais on le fera après. Non, mais c'est moche quand même l'effet brouillard là. Enfin, je veux bien qu'il y en ait un peu, l'effet poussière, mais pas à ce point là. Oui, oui, quoi. Ils sont vraiment renforcés. Non, mais c'était déjà dur cette dernière partie là. Non, mais. Les bougies. Moi j'aime bien. Ah, tu parles de l'effet. Je sais pas, on voit pas grand chose. Hein. Ah, le MF s'est déclenché. Merde. Oui. Ça s'est déclenché quand t'étais en train de le passer. Non, même pas. Si, j'ai entendu. Quoi? Je l'ai pas entendu. Oh putain, il est apparu, j'ai pas. Ah ouais, je la vois. Il est à tes pieds, à tes pieds. Ah merde. Ouais, bah je l'ai vu. Si, si, l'appareil photo, je l'ai laissé à tes pieds. Hein? Mais elle est pas apparue dans la chambre? Ah non, ok, pardon. Bah non. Je pensais dans la chambre. J'essaie de voir s'il y a des orbes, mais. Franchement, 2021, il y a que 5 appareils photo. Non. Que 5 photos par appareil, j'avoue. Attends. Ta caméra, non. Hop. Ah, mais même à l'intérieur, en fait, les lumières, ils font un effet de brouillard. Ouais, ouais, c'est pour ça que je dis jamais pas. C'est horrible. Par contre, à l'intérieur, je comprends les lampes torches, mais à l'intérieur, non. Je vais faire la spirit tout de suite, parce que elle est vénère. Donc on va la faire tout de suite. Oui. Histoire 2. Là on est à 80%. Surtout que la game vient seulement de commencer quoi. Vas-y je cours, je m'en fous, y'a pas le choix. Enfin non, j'ai peur que... J'ai peur qu'elle ait écrit Cantrun. Non c'est bon. Où êtes-vous? Attends, je me mets sur ta... Où êtes-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Ah, la spirit bug avec moi. Essaye en anglais. Non, mais c'est surtout qu'il dit même pas détecté. Ouais, justement, essaye en anglais. Attends. Oh merde. Oh putain, j'ai eu peur. Y'a pas d'empreinte, hein. Comment on dit en anglais? Ah. Where are you? Où êtes-vous? Where are you? Ouais, ouais, mais... Où êtes-vous? Ça a fait pas détecter, là. Quel âge avez-vous?
On m'a dit rien de détecter, mais il faudrait que t'essayes toi. Appuie sur... Oui, oui, c'est ce que je faisais. Mais ils ont rendu plus difficile, en fait. Et pour la spirit, ils ont pas encore totalement corrigé le bug, je pense. J'ai laissé... Mais non, j'ai pas laissé allumer. Du coup... On a combien de santé mentale? Ah, ça va être tendu, hein. Faites en sorte que la bougie... Ok. J'imaginais pas dire que ça allait être tendu avec autant de santé mentale. Ouais. On va faire la bougie tout de suite. Ah oui, une tour... Non, non, non. Oh, mon accent anglais, il est naze. En anglais, la madame, elle a dit. Bon, allume la bougie. Déjà ? Ouais, c'est vrai. Bah ouais, ça va nous préserver de la santé mentale. Ah, j'ai entendu le MF. Un petit peu. Elle veut pas écrire, elle veut rien faire. Vas-y, je vais prendre plein de bougies et je vais toutes les allumer, ça va l'emmerder, mais elle m'a trop emmerdé là. Tu sais quoi, je vais prendre moi mon sang. Ouais, bonne idée. Que vous aussi elle attaque. Voilà, hop, petite barrière de bougies. Voilà, maintenant tu peux plus passer, chier. Alors, c'est maman qui a dit aux gens de monter, j'espère qu'ils sont pas juste bloqués dehors tous les jours, les gens. Ah! Ah ouais, c'est possible en vrai. C'est tout à fait possible qu'ils soient bloqués et que personne n'ouvre. Ah, j'aurais dû laisser le truc là-bas. Je vais regarder sur la caméra. Parce que là, on a vraiment que ça. Hein. Bah, on a tout pris. Ah, la bougie, ça a fonctionné. Je vais juste lâcher l'appareil photo et... Du coup, il ne monte pas. Ouais, c'est possible. En vrai, c'est totalement... J'ai cru qu'on était attaqué. Je vais pas courir. Je vais éviter de courir. Non, mais s'il te plaît, il n'y a pas de poussière autant à ce moment-là. Je sais pas combien de bougies elle a éteint. Oh ! Ouais, c'est comment toutes. Nope. Je suis pas d'accord. Non. 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 Où êtes-vous ? Oh ! Ah bah. Ok. Elle m'a soufflé dans les oreilles. Oui, j'ai entendu aussi. Donc on a température glaciale et spirit. C'est pas de cauchemar ou démon ? Ouais, démon. Hein. C'est un démon. Oh, démon, hein ? Un démon 1000%, là. Je lâche un appareil ici au cas où. Oh non, mais là c'est démon 1000%, hein. C'est pas possible autrement. Température glaciale et spirit box. Donc il nous manque écriture. Attends, ça fait chaud au cœur à chaque fois. Bah oui, tu m'étonnes parce que tout le monde est content de voir les gens toquer pour nous donner à manger. Bah ouais. Parce que sinon, le seul truc que vous pouvez faire, c'est aller à la boulangerie ou un truc dans le genre tous les jours et prendre des repas, quoi. Après, il y a aussi une application Too Good To Go
ce sont de vieux, enfin des repas en passe d'être jetés parce que ce sont des repas qui ont été faits pour la journée ou qui y a une date de péremption et du coup tu peux les récupérer à moitié prix. Et ça, il y a partout. J'ai vu cette application sur un stream et je regarde et il y en a vraiment beaucoup. Il faut aller en soirée ou le lendemain, mais c'est toujours ça, quoi. Il nous manque juste la chasse, mais honnêtement, on voit pas l'écriture ici. Je connais pas cette appli. Moi, je la connaissais pas avant non plus. J'ai quoi sur moi? J'ai rien. Bon bah je prends un appareil photo et un bâton d'encens. T'as un appareil photo à tes pieds comme ça. Je suis pas trop rassurée en vrai hein. Il aime pas les bougies. Oh. Non, ça va. Regarde les empreintes. J'ai... Attends. Je vais lâcher l'encens ici. Mais il avait déjà touché les portes en attaquant. Ouais, mais attaquer, c'est pas la même chose. Il y a que dalle. Derrière. Nope. Merde. Oh putain. Ah, c'est toi. J'ai eu si peur. Mais... Il arrête pas, en fait. Mais... Quoi? Ah, mais la porte est buggée, je crois, pour moi. Ah non, là c'est toi. Elle tremble la porte. Qu'est-ce que tu fais? Demande-lui d'écrire dans le livre. Écrivez-en le livre, s'il vous plaît. Ça peut être EMF, j'imagine. Écrivez dans le livre, s'il vous plaît. Si on nous attaque, on court à la cave, c'est ça? Yeah. Ok. Donnez-nous un signe. Oh, je suis tellement pas sereine comment elle attaque, quoi. Donnez-nous un signe. Et maintenant, elle veut plus rien faire. C'est pas cette porte-là qu'elle a touchée ici. J'ai. Ah. Barbara, donnez-nous un signe. Oh. Ok. Elle nous a brain. Ouais. Elle a écrit. Ah bah voilà, c'était bien ça. C'était sûr à 1000%. Est-ce que j'ose entrer? Allez, vas-y, on va faire la photo. C'était bien un démon, de toute façon on n'était pas... c'était sûr. Il faut se faire chasser, mais... Elle vient de faire son vibrer le téléphone. Alors, écriture... Et démon... Que c'est étonnant. Ah, mon interaction n'était pas terrible. Ah mince, la planche Ouija était pas terrible et l'interaction... Ah oui, mais c'est pas ce que je voulais. Tant pis. Tant pis. Et l'os, est-ce que je l'ai bien pris? Ouais. Bon bah, on n'aura pas le max de points, mais... T'es où? Ah, t'es dans le camion. Tu veux pas tenter le truc?
Est-ce que par hasard elle t'aurait fait un peu peur? Non. En vrai, si tu veux, on peut en faire une autre vu qu'elle a été hyper courte. Je m'attendais pas à un fantôme aussi violent pour le début, honnêtement. Oh, ça a duré une 20 minutes. On a trouvé le fantôme très vite, hein. Ouais, non, ça va, j'ai pas mal. Un petit peu, mais sans plus. Cette maison. Hop, ceci. Je vais mettre deux caméras. Ça. 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 En vrai, les lampes puissantes, ça sera rien d'en mettre 4. Ça. Et je pense que c'est tout. Trépied. J'ai mis trépied. Oh non. Je sais plus. Mais regarde ce que tu mets toi, je crois que j'ai oublié un truc. Je sais plus ce que je mets. Gigi, merci. Mais ce que tu mets d'habitude, je mets ce qu'il faut. Parce que je sais plus ce que je mets. Je crois que j'ai oublié un truc. Bah, je sais pas moi, parce que moi je regarde pas ce que je mets, parce que je mets tout. Attends, bah je te laisse mettre et je mets après. Je crois qu'il manque un truc. Non, mais tu m'as pas comprise. Oui, mais c'est parce que t'étais en train de mettre. J'ai vu que tu rajoutais. Donc mais que tu... ça sert à rien que tu me mettes après, parce que je t'ai dit comme ça que je mets tout. Oui, mais comme tu étais en train d'ajouter, j'attendais que tu arrêtes d'ajouter pour pouvoir ajouter moi. Je sais pas si ça bug encore ou pas, donc je préfère pas tenter, tu vois. Bon, pas si. Ouais, j'ai vu que tu rajoutais. Attends. Caméra fond. Mais pourquoi les caméras... Ah, mais non, je crois que j'en ai déjà mis. Attends. Ah si, j'en avais pas mis. Voilà, c'est bon. C'était les caméras que j'avais zappées. Oh, c'était les vandalements dans le chat. Hop. J'ai pas mis prêt. J'ai cliqué et la seconde d'après t'as lancé. Ah non, il est à la cave le compteur cette fois. Mais si ça se trouve, il était déjà à la cave. Je sais même pas. On peut voir Mélisse qui regarde en hyper basse qualité pour pas pomper trop de mégas. Après avoir enfin... Je viens de voir le titre. Après avoir enfin scanné une bébête, je l'ai scanné hyper rapidement, en vrai. Hein. De toute façon, les rôdeurs et moi, c'est pas une histoire d'amour. Très loin de là. Ah, encore une femme. Et encore la chasse. Et encore la bougie. Bon, bah, Linda Johnson... Et le reste, on verra bien. J'ai soif. Alors... Bougie, chaise, 25% Linda. Oui, c'est ça. Je me balade un peu partout. Où êtes-vous? Ah, t'es encore là, Ouija? Où êtes-vous? On fait gaffe, hein. Déclenche pas une attaque. Bathroom. Ah, ok. Va peut-être vérifier ta santé mentale, au cas où.
Ah non, basement, pardon. Ah, ok. Bah, où je suis, quoi. Ouais, c'est ça. Ah non, 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 j'ai entendu un pas à côté de moi. Elle est pas au basement. Ah ouais, mais basement, ok, ouais, basement, mais... Mais aussi le haut, quoi. Elle est pas seulement en bas, j'ai entendu un pas ici, moi. Juste ici. Merci. J'ai toujours pas l'os, par contre. Après... Il est chaud. J'ai pas fouillé celle de gauche, je crois. Attends, je sais plus. Je vais checker. Alors, on va peut-être pas rallumer totalement ici. J'ai peur de faire sauter les plombs. Je vais sortir avec toi, histoire d'éviter les ombres. Voilà, je t'attends. Oh. En effet, c'est pas un démon qui ne peut pas attaquer. T'as à combien? 29%, t'es à 5. Je suis à 50%? Non, on était à 50 de moyenne. Ah! Ah ouais, mais c'est chaud la Ouija maintenant. C'est hyper chaud la Ouija, en vrai. Bah ça t'enlève toute... Ah bah oui, mais avant ça retirait juste 20%. Oh merde, elle est où? Elle est là. Salut. C'est pas un fantôme. Voilà. Allez hop, ça dégage. Elle est toujours ok. Comment on a continué mais... notre vie en mode oh, ok t'es là. Elle avait marqué basement mais... Ouais mais pour elle moi... Elle a pris en haut. Ouais ouais mais elle m'a marché dessus en haut. Ah mais pas basement. Ah bah non. Ah bah non pas du tout. J'ai cru qu'elle était dans la salle basement. Bon j'ai pas l'os. Pour moi... Basement de rien du tout, hein. Ok, bon bah je ne vois pas de... Oh, pff, quoique... EMF2... Où êtes-vous? Hallway, putain mais... Sérieux? Oh non mais ça c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Donc ça veut dire que maintenant, ils peuvent répondre un truc et c'est pas là-bas. Oui, bon, on a bien compris que t'étais là. Oh, punaise. Il est flippant, dis donc, ce fantôme, aussi flippant que le rôdeur, il bouge pas. Ouais, le rôdeur, il m'avait peur. Et puis, de toute façon, j'ai un mauvais passif avec le rôdeur, donc faut pas chercher. Ah ouais, t'as 40%. Je vais prendre des médocs aussi. Du coup, il faut bouger. Empreinte. Je vais vérifier les empreintes. On va faire la spirit. Et t'as un truc. Ok. De quoi nier? De quoi nier, Amélis? J'aimerais bien voir une empreinte en vrai, là, ça me donnerait au moins un indice. Elle a touché cette porte, donc si jamais il y a... Ah, empreinte, ici. J'ai posé l'appareil photo. D'accord que c'est une empreinte d'enfant, ça. Attends. Mais c'est une vieille. Bah oui, justement. Je vais faire la spirit. Il faut l'éteindre. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Que voulez-vous? Ah, oh, il me gave le fantôme là. Vous êtes où?
Vous êtes où? Quel âge avez-vous? Oh, vas-y, je te laisse faire la spiritance, Agar. Ils veulent pas me répondre ce soir. Non, mais Mélisse, la Nels. Et tout est éteint, donc s'il y a orbe, tu verras. Normalement. Mais on a déjà empreinte. Et c'est tout ce qu'on a. Oh, la vue est trop bizarre en vrai. Je me suis mis sur ta caméra. On sait jamais. Je sais pas si c'est celle que tu as sur la tête ou dans les mains. Ah non, c'est celle que t'as dans les mains. Ah. Là, je suis sur ta tête. Ok, t'as changé l'autre caméra. Moi, j'aurais plus mis une caméra vers la ca... Oh, elle a jeté le bouquin. Et elle a changé la caméra. Elle a écrit, écriture. Elle a écrit quoi? Je sais pas ce qu'elle a écrit, mais elle a écrit. Ah, ça sent la banshee. Ah non. Ouch. Tu vas pas aimer. Esprit, revenant, ou en tout. En tout, il faut orbe. Revenant, il faut EMF5. Et esprit, il faut spirit box. Ça peut être les trois. Là, ça peut être les trois. Je vais allumer les bougies. Et puis, bah... Go, hein. Oh, j'aime tellement pas le revenant. Celle-là, ouais, je vais d'abord allumer des bougies. On n'entend plus Valo parce qu'elle est concentrée. Pas courir. Hmm? Je vais aller chercher la Ouija. Ah mince, je peux pas prendre de photos, je vais mettre les bougies d'abord. Hop, hop, hop. Mais si, j'ai un appareil photo sur moi, je suis conne ou quoi? Je me disais aussi. Mais il faut peut-être essayer la spirit. Enfin, il faut que tu essayes la spirit. Ça fait quand même hyper peur maintenant avec la lampe. Hein. En vrai... Éteignez la bougie, s'il vous plaît. Éteignez la bougie, s'il vous plaît. Je suis avec toi, peut-être que ça va pas fonctionner. Oh, ouais, vous. Ouais, vous. Elle a éteint. Ouais, ouais, j'entends, j'ai vu. Attends, je vais me mettre ailleurs. Ah non, on peut pas courir. Oh, ça va appuyer sur la touche pour courir. Prendre en photo la Ouija. Où êtes-vous? Vas-y, je suis sortie. Où êtes-vous? Ah, bah, ça va être... Ah, ok. Ah bah c'est un esprit. Ok, c'est parce que t'étais avec moi qu'elle répondait pas. Et puis que je sais pas, elle m'aime pas. Les fantômes ne m'aiment pas ce soir.
Il nous reste la bougie et la chasse. C'est ça? Bougie, c'est fait. Ah non, il faut la santé mentale en dessous de 25%. En vrai, ça c'est facile avec le... Avec le... La Ouija. Tu veux tenter la chasse ou pas? Comme tu veux. Bah, moi j'ai kiff-kiff. Comme c'est toi qui vas faire l'encens à ce moment-là... Bah c'est toi qui étire alors. Bah, j'ai pas le choix. Par contre, on court où? On court vers le garage? Ou vers la cuisine? Là. Vers le garage? Ouais. Ok. De toute façon, c'est toi. C'est toi qui as claqué? C'est elle. Ouais. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Attends. Ah, j'ai peur de me mettre là, en fait. Ou alors, il faudra un crucifix. Non, mais elle va peut-être... Elle va pas te courir tout de suite. Oui, mais elle va popper où? Tu vois le problème? Montrez-vous. Linda Johnson. Retidus. Linda Johnson. Montrez-vous. Linda. Je suis là. Faut pas tu cours dès que ça attaque hein, t'as non, ton âme. Ouais. Linda. 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 Linda Johnson. Montrez-vous. Linda, Linda, je suis là. Si ça se trouve, c'est même pas moi, sa cible. Linda Johnson. Linda ? Linda ? Oh, je me suis entendue dans ton micro. Linda Johnson. J'ai peur. Tu vois, la spirit, il réagit pas bien. Il réagit pas du tout à moi. Linda Johnson. Allez, montrez-vous. Linda! Donc je cours et je l'appelle en même temps pour que toi tu lui balances le truc. Linda! On t'attend. Peu. Pire, au tu moins... me dis. Linda! Non, elle est là-bas, elle est là-bas. C'est bon? Linda! Oui, oui. C'est bon. Je sais pas si ça a fonctionné. Hein. Ah, aïe. Si. Elle m'a... Tu crois? Oui, oui, elle m'a vu, elle m'a coupé. Je l'ai balancé. Je t'ai dit, t'as même pas attendu, t'as déjà couru. Non, je me suis arrêtée après, je l'ai rappelé. Je me suis arrêtée quand t'as dit non, non, pas tout de suite. Rentre dans la machine, tu seras mieux caché. Aïe, 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 elle est là. De toute façon, maintenant, on éteint nos lampes parce que... Le... Oh... C'est vrai que j'ai allumé. C'est bon. Ouais, c'est bon. Parce que maintenant, les fantômes réagissent à la lampe. Enfin, si jamais t'as ta lampe allumée, ils te voient. Avant, non, mais maintenant, oui. Si jamais on n'a pas assez, on fait avec la lumière, au pire. Fou. Dis-moi que ça va fonctionner, s'il te plaît. Yeah. Ah bah parfait. On n'a pas encore 50. 25. Bon bah on va poser une question toutes les deux et puis basta. Hein. Et là j'avais vous. Non, je pense que ça va même fonctionner. Attends, on va vérifier. Chut. Nope, pas encore. Combien de personnes avez-vous tué? Elle a 38 ans? Mais... 48. Combien y a-t-il de personnes ici? Sommes-nous seuls? Oh. Sommes-nous seuls? Allez, je vous... Sommes-nous seuls? Bitch. D'accord. Je fais bitch, elle a éteint. Bitch.
J'ai une autre question pour que je puisse prendre la photo. Quelle est votre pièce préférée? Ah, parfait. Out of way. Maintenant, elle dit... Non? Ah si. Je te jure, quoi. Je vais poser une question aussi, comme ça, ça, on est sûr. Par contre, c'est dingue, comme tout à l'heure, ça avait baissé et quand c'est pris une attaque. C'est bon? Ouais, c'est bon. Et bah. Voilà. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Elle veut pas me répondre, hein. Quelle est votre pièce préférée? Enfin, c'est dingue. Pourquoi? Il y a peut-être un souci en vrai avec mon micro. Attends, on va voir si ça valide avec toi. Sinon, je me mets un peu à l'entrée, mais c'est chiant de faire comme ça. Sommes-nous seuls? Ouais, mais c'est bon, c'est validé en fait. T'as 0%. Mais moi, ouais, non, il veut pas prendre moi. Donc je vais vérifier si c'est bien l'anglais. Enfin, le français. Est-ce que j'ai mis... Oui, j'ai mis. On a toutes les photos, il manque juste l'os, mais je l'ai pas trouvé, l'os. T'as fouillé dans les... Ouais, j'ai fouillé partout. Ah, pas dans le... Pas tout en bas, pas dans la cave. Au pire, tant pis. Ouais. Ah, la cave, t'as regardé? Pourquoi je suis accroupie? Je peux y aller. Et voilà. Moi, j'ai plus de photos. Esprit 210. Eh bah, c'était sympa. Ah, mais c'était chaud, hein. C'était vraiment dur. On a fait deux enquêtes de 20 minutes à peu près. En vrai, ça va. Merci. On n'est pas tombé sur un Yurei, mais je sais pas s'ils ont changé, mais c'était vraiment dur hein, pour le premier. Le premier, c'était pas évident du tout. Hein. Bah du coup, on va s'arrêter là. Merci Valo pour les parties. Je vais peut-être regarder quelqu'un pour raid. Chéché, merci. Bah, Verti toujours. Dans ces heures-là, en fait, je vous envoie souvent vers Verti. Parce que Pac-Man, je l'ai déjà arrêté plein de fois, et Verti est celle qui a le moins de viewers pour l'instant. Bah, je vais vous envoyer chez Verti. Et bah, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. On aura fait quasi 4 heures. Je vous fais... Attendez. Je relance la commande, quand même. Hop. Voilà, j'ai mis la commande. Donc je vous souhaite une bonne soirée, merci d'être venu et d'être resté ou d'être passé. Et des bisous et bon appétit. Et je vous envoie chez Verti. On met pas une biomusique pour 10 secondes. Hein. Des bisous.